Je me sens où j'arrive, j'allais. Je me sens. Loxette, comment tu vas, ma chérie? Perle, Sherida, comment vous allez là-bas? Je me sens où je. Attends, je cherche les lunettes, il faut que je. Oui, ça c'est mieux. Je cherche mes lunettes que je vais bien placer pour bien voir clair. belle robe, merci, merci, merci. C'est qui a dit ça? Nina Alizé, comment vous allez? Comment vous allez? Oh, partagez la vidéo. Le thème de la madre, Dieu, ça connaît même pas mes couilles, soit. Sans filtre. Ça va très bien. Sans filtre. On se fatigue à mettre les loups filtres comme ça. Bonjour, bonsoir mes Amazones, bonsoir mes guerriers. Ça dépend de où vous vous positionnez. Donc, j'ai dit de mettre le cœur, de sécuriser la vidéo là, s'il vous plaît, douantiquement parlant. Votre madre sort du boulot comme ça. Oui. Elle sort du boulot tranquillement, tranquille. Et puis elle assise douantiquement comme la reine des Amazones et des guerriers. Et puis elle dit qu'il y a un béret sur la toile. Et puis Zuckerberg a failli nous dire rien parce que voilà, il a décidé de nous couper Facebook en moins de quelques heures. Il a vu la palpitation des personnes. Lui-même, il a pris droit de ça. C'est-à-dire que lui-même, il est le propriétaire de Facebook. On allait faire ça, on allait le mettre au milieu pour nous donner conseil. Il dit partagez la vidéo là, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Zuckerberg est là. Il restait un peu. On allait le mettre au milieu pour lui donner conseil. Donc, comme il a vu ça, il a préféré remettre Facebook droit, tranquillement. Et sinon, j'ai dit mettez le cœur, partagez la vidéo là. Partagez la vidéo. Lorsque, merci ma chérie. Je vais partager rapidement. Je ne sais pas si vous avez reçu ma notification. Parce que c'est bien vrai qu'il a remis Facebook. Mais en même temps, les vues, il a diminué. Les notifications, il a suspendu. Même les petits djia qui donnent là, il a guetté dedans, il a mis ma chaîne dedans. C'est-à-dire, il a coupé Facebook là. En même temps, les petits djia, il a divisé ça par 10. Zouken. Fatoumata Conté. Waouh, Francine, t'es de plus en plus belle. Non, 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 merci. Fatoumata Conté. Sinon, c'est mon Yere Yere qui est là. Mais de temps en temps, vous savez, quand je mets les filtres, c'est dans les os. Sinon, mon Yere Yere, tu me crois, même tu apprécies. On n'est qu'à dire la grâce. On n'est qu'à dire Dieu merci. Donnons la grâce à Dieu. Parce que c'est grâce. On dit le vin se bonifie avec le temps. On dit dans quelques mois. Ça dit le 6 janvier 2025. Je suis né en 1975. J'aurai 50 ans bien comptés. 50 piges bien comptées. Donc, disons merci à Dieu. Parce que Dieu même qui est là, c'est-à-dire que quand toi-même tu es femme, tu es mère de famille, tu as des enfants, et puis quand les années passent, et puis tu es assis doux, quand tu prends de l'âge, et puis même tu sens que tu brillantises, tu brillances, la brillance de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille, a belle révélation. En tout cas, je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu te portes bien. Oui, j'espère que tu te portes bien. Moi, je suis calé droit, tranquillement. J'ai dit, bon, comme tu es là, ma fille, a belle révélation. Bonne arrivée dans le live. J'ai dit, on doit, il y a un sujet qui se passe sur la toile. Monsieur Touré et Emma Loès. On dit les noms parce que le béret sur la toile. Le béret sur la toile. Et puis, je t'ai vu dans un live. Quand tu vas venir sur le live de la madre, tu vas venir m'expliquer, tu vas me donner ton point de vue et puis on va béret. J'ai dit aujourd'hui là, on dépose affaire de filles là à côté. On dépose affaire de filles là à côté. On est sur un tatami. On est sur un tatami. J'ai dit, mettez le cœur, partagez la vidéo là pour monter à 200 personnes, s'il vous plaît. On sait que Zuckerberg, c'est lui qui maîtrise. S'il vous plaît, je vous demande humblement, soyons humbles, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sécurisez la vidéo et puis on va la partager. De ce pas, je vais faire pareil comme vous, je vais partager ma vidéo. Donc, je vous reviens. Je suis
patente. Ok, elle m'a dit qu'elle est patente. Elle est prête. Donc, attends deux minutes, je vais partager. J'espère que tu as attaché ton keiwa. J'espère que tu as attaché ton keiwa. J'espère que tu es prête. Nani, nanana. Ok. Je partage vite fait, chap, chap. C'est de ça qu'il s'agit. Mes Amazon, partagez aussi la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez, vous devez partager, liker, mettez le cœur pour que Facebook sache que... Pour que Facebook sache que cette vidéo vous intéresse. Mais si vous êtes arrêté droit pour la regarder sans la sécuriser, je suis désolé, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que vous partagez pour que nous puissions monter à 200 personnes, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage. Il n'y a que 3 partages, ce n'est pas normal. On partage la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes à 6 minutes, il faut partager. Madre, l'âge, maman, tu es vraiment belle. Merci, ma chérie. Ah, la madre va sonner 50 ans. Hein? La madre va sonner 50 ans oh, dans quelques mois, le 6 janvier. C'est la grâce de Dieu, franchement. 213 personnes, parfait. L'épouse du père. L'épouse du père. Et, attendez, je vous dis, de toute façon, votre père est chaud ici. Hein. Je vais vous parler. Moi, je suis capricieuse. Hein. Mes caprices que vous voyez là, mes caprices sont nombreux. Qui a déjà demandé? Je suis là, oui, j'ai accepté ton invitation. Ma soeur Nazie, ma soeur Nazie nous dit qu'elle est là. Eh, on ne me voit pas, oh, on ne me voit pas. Il y a des inclusions aujourd'hui là. C'est Glizio. Mais non, ça va se redresser quand on en va venir. D'abord, tu ne me vois pas. Je te vois à moitié en fait. Comment à moitié? Quoi appeler Kona? Kona, quand Kona va monter, ça va redresser. Là, ça va prendre trois places, je sais pas. Ça va prendre tout le monde. Yes, fait. Je suis couché. Je suis fatigué. Je vais coucher, tu es vendu. Les djoulas là, eux, ils pompent mon esprit. Hein. C'est quel djoula quoi? Hein? Non, ils me voient mal même. C'est quel djoula ça quoi? Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez. Je vais dire, Kona est où? Je vais me fatiguer ici. Coucou. Kona est où? Comment tu vas, ma soeur? Il faut que je te dise bonjour quand même. Quand même, hein? Bonjour, maman, je suis là. C'est comment date, tu es vendu là? Oui, non, ça là. Ils ont mis Mania dans moi-même. Allez là-même, c'est pour partir. 20h derrière moi, mais il m'a dormi. Je suis fatigué. Les enfants m'ont dormi. Moi, mais je sens que j'aime vite me coucher. Ils m'ont trop fatigué aujourd'hui. Là. Ils ont eu demi-journée d'école. Donc, demi-journée, ils sont venus à la maison. Là. Bon, bon. Angaouri. Ils m'ont amené gauche, droite. Oh, voilà, je suis couché. De quoi parle le texte? On dit quoi sur le métal là-bas? Ah, il y a un mec qui est allé. Ayo, ma grande soeur, comment tu vas? Comment vous faites pour avoir vidéo là? Comment vous faites pour enlever vidéo là? Faut lui expliquer. Faut sortir et puis tu reviens. Tu envoies la demande. Allô, Zambé. Zante Mila, André là, en téléphone ta. Daya et Mila. C'est bon? Faut couper puis tu reviens. On coupe et puis tu reviens. Hein? Je coupe et puis je reviens. Ah, c'est ça, on dit faut couper puis tu reviens. Et Réan, vous là, votre appel est compliqué. Si il fait que je reviens plus, on fait comment? Ah, bon, c'est bon comme ça. Donc, je sais pas comment faire. On va introduire le sujet. Est-ce qu'on me voit?
Oui, on te voit très bien. D'accord. Bonsoir mes Amazones, bonsoir mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Non, non, hier, non, vous avez... Dans ton visage, on voit que le bas de ton nez, voilà, on ne te voit pas. Voilà. On peut voir le bas de nez de quelqu'un comme ça. Mais la femme qui est là, si on la voit, qui ne la connaît pas pour chercher à la voir? On la voit, on la connaît, non? Eh, Nazia, mais qui la connaît pas? Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, j'étais disant que hier... Bonjour, français, sur nous, mais non. Hier, Facebook nous a donné plein de palpitations. Heureusement que même là, il n'est pas encore bien déterré. Même parce que les commentaires, même, on a du mal et tout. Mais Amazon est guéri. J'espère que vous portez bien. En tout cas, partagez la vidéo là. Nous sommes les vieilles mères du Béret. Les vieilles mères du quartier. Vous voyez, il y a des vieilles mères qui sont dans les recoins du quartier. Quand un truc Béret, bien sûr, on va venir faire ça devant vous. On dit sur le méta, Naziel ou l'autre, tant que qu'on en vient. Il y a une histoire qui se passe. Elle m'a révélé. Comment tu vas? Aïe. Je vais bien, maman. Pendant ton... On dirait que c'est chaud. Hein? C'est chaud, hein? Mettez pas sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Mal chaud, même. Je dis, ML et Nazi, vous êtes au courant d'une histoire de M. Touré avec M. Touré. Après, là, ça est ici encore. Où est-ce? C'est quoi Touré, ça, là? Hein? C'est quoi Touré? Touré, lui qui est propriétaire de maison de spa. Il n'a pas fini de payer. Il n'a pas dit que la salle pour rembourser. T'es idioté. Aïe. Hein? Jean 12 dit, j'allumais la télé. Et à cause de la télé, là, mes ennemis sont devenus... Wow. Moi, j'ai cru que ils avaient réglé l'affaire. Et que non, il paraît qu'il y avait un remboursement dedans. Oui, c'est pas fini encore. De spa, de location de maison, le monsieur est revenu encore. Il dit non que il a convoqué notre soeur Emma Lo. Elle a fait un mois, elle vient pas à la convocation. Donc on dit quand la tête est présente, le genou ne porte pas le chapeau. Donc comme notre soeur ML, elle a le dossier en main. Seigneur. Je t'ai pas dit. La petite là, elle est venue dans 2 jours là. On est resté en train de dormir. Elle a pris. Elle est partie loin. Elle a le dossier maintenant en main. Ah là. C'est sérieux. Ah, le Guéret même. Elle a le dossier en main. Donc, actuellement, là, elle a traité le dossier. Il a dit, okay. C'est chaud sur le méta. Mais je te dis en même temps, en parenthèse, elle est pour M. Touré. D'accord. Voilà. Pour que tu saches de quelle direction elle est. C'est moi où je suis dans la même là, je ne peux pas avec quelqu'un. Hey. Donc, elle est pour M. Touré. Donc, on fait tous trois ici, là. Chacun doit défendre Emma, non? Ou bien c'est pas elle, c'est elle, non? Ça dit que moi, en fait, si tu es pour Emma ou tu es pour Touré, je vais trouver, en tout cas, moi, je ne suis pas entre les deux, parce que les deux, la même, je dis, il y a Guy Souroche. Non. Moi, je ne veux pas venir ici. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que bon, c'est deux ans à dire. C'est ta position. C'est deux ans à dire. Ok, vas-y. Donc, on laisse la parole. Mais Amazon, mettez le cœur. Il te dit, ça a chauffé. Mettez le cœur à partager. Oui, elle est en train de nettoyer son gosier. Ça, là. Bon. Ça s'en ok. Donc, on te mais attends, il va demander à ML ici. Oui. Comme moi, je ne suis pas au courant du dossier, je viens de me réveiller. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Affaire là, où c'est resté là, moi, c'est là-bas que je sais. Nouveau bon. Qui est sorti ici, là, n'est mal. Donc, vraiment, mettez-moi au parfum et puis il va donner mon avis dessus. Mettez les cœurs. Si vous voulez que ML baille, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils vont nous expliquer, pardonnez. Nous, mettez ML, explique, parle. Mettez les cœurs. Nos problèmes nous ont dépassés. C'est le problème des gens, on a trouvé solution. Il faut parler, les gens, t'es bien. Les gens dorment dans la maison bon, de Embryon. Les Amazones et les guerriers. Ma grande soeur, Nazie Lou Christelle. Et, tu allez, sais qu'il y avait eu, je ne sais pas, l'année dernière, il y avait eu une histoire entre M. Touré et notre soeur, là. Voilà.
Pourquoi l'histoire, même pour la première, parce que je vais faire la genèse de l'histoire pour que les gens comprennent. Vraiment, pour que les gens comprennent. Pourquoi ils vont dire qu'on est venu rentrer dans la vie des gens pour rien. Pourquoi l'histoire était venue sur Facebook, selon M. Touré, depuis des mois et des mois, il avait essayé de contacter notre sœur, la rentrer en contact avec elle pour pouvoir retirer, faire l'état des lieux et puis retirer, prendre ses clés et puis donner la maison peut-être à une autre personne. Il n'arrivait pas à rentrer en contact avec elle. Il est passé par les connaissances de la star. Il n'a pas pu. C'est comme ça qu'il s'est permis de rentrer en contact avec Apoukiou, puisqu'il voyait qu'il y avait un duo là à l'époque. Donc il s'est dit que c'est comme moi, ML, si quelqu'un me cherche, que la personne ne me trouve pas, que la personne connaît Maman Francine Ba à son numéro direct ou bien à ton numéro, s'ils ont mis la main sur toi ou bien Maman Francine Ba, ils m'ont trouvé. Voilà, donc c'est comme ça que M. Touré dit, bon, je vais m'incliner vers Apoukiou pour qu'au moins je puisse converser avec la dame. Ça n'a pas pu être effectif. Et dans la colère, dans la douleur, il s'est dit quoi? Je ne peux pas avoir mes clés, je ne peux rien faire, elle ne réagit pas. Et c'est comme ça que lui-même, il s'est démerdé, on ne sait pas ce qui s'est passé, il est allé voir sa maison. Force est de constater que quand il allait voir la maison était dans un état vraiment, ils ont bu pitoyable. Pitoyable. Comme ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a vu, ce qu'il avait posté. C'est le premier dossier, c'est un résumé. Il y a des trucs, détails que je peux oublier, mais je résume, voilà, parce qu'il y a des faut faire un global. Il faut leur expliquer point par point. Quand tu résumes un truc, quand ils prennent pour aller faire leur béret, ils sortent le truc du contexte et puis on dit, elle a dit ça, elle a dit ça. C'est ce qui les arrange là qu'ils prennent. Donc, c'est comme ça que lui, il s'est dit quoi? Bon, c'est une star, une soeur qui est appréciée, qui est sur Facebook, qui s'est donné peut-être un genre et lui, il a eu confiance, il lui a donné sa maison. Il veut rentrer en contact avec elle, il n'y a pas gain de cause. Et comme il sait que sur Facebook, depuis que Facebook existe, ce n'est pas la première histoire qui est venue sur Facebook. Ça, je le notifie pour ceux, quand ça les arrange, c'est là qu'ils savent que Facebook n'est pas tribunal. Je notifie ça pour ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est quand ce n'est pas dans leur intérêt, ils disent que, oh, mais les problèmes, il faut les faire en privé. Quand ça est dans leurs intérêts, donc, ils trouvent. C'est comme ça qu'ils ramènent le premier dossier sur Facebook. Et tu as vu comment on a traité le dossier. On a dit non, ce n'est pas normal. 7 mois de loyer, elle avait voulu se justifier. Il y a eu quittance du monsieur qui était sur de quelqu'un là-bas, c'est sorti sur Facebook. Bon, bref, il y a eu tout ça. Et chaque personne a fait la lecture. Chaque personne avait fait la lecture du béret de ce qui s'était passé. Ouais. Et ceux qui devaient être dessus ont été dessus. Ceux qui devaient tirer leurs conclusions, se réveiller de leurs rêves, fléchir genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir vraiment jugé, dis que tu ne m'aimais pas, mon riz couché est bon, ma sauce graine est mieux, que voilà, voilà. Donc, chacun a tiré sa conclusion. Emel, il est dit. Emel, pardon. Regarde, Emel, le verre qui a coulé, il faut boire un peu, De l'eau, non, attends. Faut boire un peu. Attends, il y a du jus, Oui, voilà, il faut boire. Ça, parce qu'il ne faut pas tout dire en même temps. Il faut agrémenter le tout petit à petit. Oui, c'est pour ça que j'agrémente. Non, tu vas pas émettre ma vie. Ils n'ont pas mettre les cœurs. Si vous voulez que je parle, mettez les cœurs actuellement. Ils n'ont qu'à partager. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Je suis partout. Partagez. Je me présente, je suis ML Révélation Divine. La grande pacpato de Facebook. Donc, je ne t'ai pas encore présenté, quoi. Non, tous les gens... Tous les gens qui connaissent sont pas fâchés, mon identité, là. Ma grande sœur, attends, attends, je me présente. Je me présente. Je suis ML Révélation Divine. Oui. La fille de Dieu, lui-même en personne. La fille de dans ses bottes. Qui défend les valeurs. La grande papato de Facebook, c'est-à-dire s'il y a Béret. Ces valeurs de Papato, tu défends ou bien ces valeurs de... Attends, c'est question. Mettez les cœurs, C'est question, Zan. Mettez les cœurs. À part la politique, à part le béret politique, s'il y a béret sur la toile, la grande Papato, c'est ML. Et tous ceux qui me suivent réellement, qui ne sont pas fausses, savent comment je fonctionne. Je défends, quand je prends un dossier, selon, je peux être pour, je peux être impartial, ça dépend de où je veux me situer. Voilà, quand je prends un dossier, je défends et je suis la grande vendeuse d'Atsieke Plakali vive. Depuis là, c'est toi seule. Tu as dépassé moi. Aussi ma structure de nettoyage, société de ménage.
Donc, j'ai vu un commentaire comme quoi ML est partout. Est-ce que les journalistes ne sont pas partout? Une papato est là où il y a les buzz. Et c'est quel genre de buzz, les grands buzz? Petit buzz, oh, je suis dedans. Même buzz, ils ont toussé dans leur chambre. J'ai entendu, je fais pour faire béret. Là, tout le monde dit, on ne dit rien. Maintenant, il y a grand buzz. C'est-à-dire dans chaque domaine, il y a récompense. Tu fais le petit béret jusqu'à... Il y a un dossier qui tombe, Guyaka, ça, c'est le gibier. Et puis, on dit, non, ML n'a qu'à faire une vidéo. ML n'a qu'à faire une vidéo, se taire. Pourquoi? C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui va te répondre. Ah, j'ai vu de l'eau. Bon, je continue maintenant. Merci. Donc, on a vu ce béret-là. Et les gens, tu sais, dans un béret, ce qui est intéressant, il y a pour et il y a contre. Pendant que nous, on défendait et d'autres aussi défendaient leur parti, c'est ça qui fait le béret. On a tendu l'oreille. Contrairement Monsieur le maire, bien, monsieur le maire. Comment tu vas, mon frère Éric Rocher? Je te claque le bisou depuis ta position. On le salue. Ce qui est intéressant dans le béret, c'est... Il est salué fort même. Oui, ML fort, ML fort. Mais ML, il n'y a pas de parler en français. C'est Nazier qui me bloque. Seigneur. Si mon nom est déjà gâté, c'est pour là-bas. Où on l'a déposé, il y a caca dedans. Même il est vide, on a peur de le toucher. Bon. Et j'ai dit quoi encore? C'est quoi? Bon, je disais... Est-ce que tu as vu ta missile? Bon, je me calme. Donc, je disais que ce qui est intéressant dans le béret, c'est que nous, on écoute. Tu gagnes béret, tu respires comme ça. Tu gagnes béret, tu respires. Tu quand même dit que c'est à cause de moi que... Bon, donc ce que je disais, maman, tu vas pas me couper, je vais terminer ma phrase. Merci, bon, il faut faire vite. Voilà, dans le béret Nazielou, je t'ai dit que nous on écoute, c'est ce qui fait l'avantage et rend le bloc de ML sucré. Voilà, on écoute ce que ton ennemi dit ou bien le camp adverse dit. C'est très important dans la vie. Et on a écouté que le camp adverse disait que Facebook n'est pas tribunal. Oui. On a beau expliquer, on dit Facebook n'est pas tribunal, qu'il emmène le problème au tribunal. Faut bien écouter, c'est là que le deuxième dossier va s'enclencher. Ah bon, donc il y a dossier dans dossier. Parce que actuellement, le camp de la star, on dirait ils sont amnésiques. Bizarrement, ils ont oublié ce qui s'est passé. Mais tu sais, la personne qui blesse oublie. Mais la personne qui a la blessure n'oublie pas. Donc, nous qui avons la blessure, on sait les étapes, les virgules, les minutes. On va expliquer. Donc, elle me coupe trop. Donc, c'est comme ça. Je ne coupe pas. C'est comme ça. Je suis en train de. C'est les énergies, je t'envoie. Sinon, je ne coupe pas. Donc, comme on a écouté la partie adverse, les autres protagonistes du dossier, ils ont dit Facebook n'est pas tribunal. On s'est assis, on a dit bon, voilà. Monsieur Touré, compte tenu que tu es tellement mou, tu es tellement joint. Et puis, tu as fait confiance sans écrire. Tu as écrit aussi, tu as oublié d'autres par la confiance. Parce que quand tu vois une personne qui est comme ça, tu te dis, tu peux lui donner la communion sans confession. Donc, toi aussi, tu as ton erreur dedans, mais va au tribunal. Parce qu'effectivement, on a défendu le dossier, mais la réalité, on a fait la justice de Facebook. Maintenant, il y a la vraie justice qui est humaine, qui est là-bas, faut partir. Donc, c'est comme ça que M. Touré se retira douantiquement, doucement, et il partait déposer le dossier là-bas. Et quand M. Touré a déposé le dossier, Facebook, quand tu dors chaque matin, il y a un rebondissement. Il y a eu d'autres buzz. On a oublié cette affaire. Et puis, il y a eu la canne. Voilà, pour nous, ça a été réglé. On ne savait pas. C'est là maintenant le sujet qui fait que les gens se dévoilent. C'est ça que je vais t'expliquer maintenant. L'introduction là qui était là. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as demandé pourquoi le dossier est revenu. Donc voilà. Voilà. Pour te dire que on a écouté. Merci mon frère, écouté ceux qui défendaient la star. Ils ont dit qu'ils partent au tribunal. Et comme nous, pour être performant, il faut écouter aussi ton ennemi. Ou bien il faut écouter. Tu écoutes les deux versions. Voilà. On a dit au monsieur, va au tribunal.
toi, ce qui va te coûter, ça va te coûter, mais au moins va là-bas. Donc, quand il est parti, pour nous, le dossier était fini. À notre grande surprise, un matin, c'était un lundi, quand on se réveilla. Regardez ce qui va se passer. Et moi, j'étais au boulot. Et étant au boulot, je clique un peu sur TikTok. Je vois là-bas que, oh, que si, que oui, que non, que dossier là est revenu encore. J'ai dit, mais dis donc. Et je suis sortie pour faire un poste. Et j'ai dit sur le poste comme ça. Ah, dans l'affaire de M. Touré, là, ça, il y a rebondissement. Mon père est encore là-bas. Et c'est comme ça que je dis, bon, je vais m'imprégner d'abord du dossier avant de venir mettre ma gueule dedans. Tu n'as pas de gueule, tu as une bouche. Non, non, non. Ça c'est pour tu n'as pas gueule. De gueule, bouche. Les gueules, c'est pour les animaux. La bon, bouche, c'est pour les gens. Je vais mettre ma bouche bérétiquement parlant dedans. Merci. Donc, c'est comme ça que le soir, je contacta mon client. Voilà. Et je posa les questions. Stop. Donc, tu as contacté le client? Donc, I'm sorry. Le client. Don't understand. Dame. Hey, c'est Grision. Je contacta le client. Et je demanda à mon client. C'est comme ça que je contacta le client. Oui. Et je demanda à mon client, mais qu'est-ce qui se passe sur notre soeur? Encore, ce problème n'est pas résolu. C'est comme ça que le client me disait, voilà. Ma petite soeur, est-ce que tu es bien assise? J'ai dit, actuellement, je suis encore au boulot. Je ne suis pas encore bien assise, mais on peut parler parce qu'il n'y a personne ici. Et c'est comme ça que le client m'expliqua voilà ce que je vais vous dire. Petite soeur, pour le dossier non. Là, pose, on va bien s'asseoir. Mettez les cœurs. Et je bois de l'eau un peu pour rafraîchir ma gorge. Bois l'eau, ma fille. Le bain n'est pas un métier facile, mais on t'insulte, on te clash, tu as des ennemis, mais on est dedans. Parce que c'est ça les risques du métier. Il faut boire de l'eau. C'est bon? Ça peut aller? Si vous me dites, allez, appuyez, bon, je suis partie. Donc, c'est comme ça que le monsieur me disa, ma petite soeur. Je dis, oui, mon grand frère, monsieur Touré. Quoi? L'homme au grand cœur. Voilà. L'homme qui ne réfléchit pas beaucoup, mais qui fait confiance sur la base de la parole. Le monsieur qui par la beauté ou par une douce voix est capable de s'oublier, se mettre dans les problèmes pour aider autrui. Namou, grand frère. Namou. Et c'est comme ça que monsieur Touré me disa, ma petite soeur encore, j'ai dit oui, grand frère, monsieur Touré. Bah, explique-moi vite parce qu'actuellement ma tension est en train de monter. Comme pour nous ici là. Passe là-bas. Et c'est comme ça que monsieur Touré disait encore, ma petite soeur ML, j'ai senti la douleur, mais ça dit, je dis donc, elle ne s'est pas présentée au tribunal, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai balancé le dossier, vous savez, j'ai un sixième sens, Dieu me parle, il ne me parle pas, mais le Saint-Esprit me, tu vois, j'ai un truc. Non, tu es branché, voilà. tu es initié, je suis branché. Et quand M. Touré insista trois fois, j'ai compris que à la justice, ça il y avait quelque chose. J'ai dit, donc, la justice, ils t'ont pas, tu n'as pas eu raison. Il dit, ma petite soeur, seulement. ML. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas camarade d'être antidier, par hasard? Parce que ceux-là, ils ont des bras longs, bizarres. Non, on ne mélange pas le tantidier. Je n'ai pas mélangé. C'est les gens que je voulais donner, quoi, pour me situer non, bien. Non, il ne faut pas mélanger notre débat. Pourquoi envoyer ma copine derrière ma camarade? C'est ma tante, il faut laisser ça. Et c'est ma camarade.
malade. Mettez les cœurs, voilà. Donc, oui. Monsieur Touré disait encore, ma petite soeur, il parle pas, il a douleur. Ma petite soeur dit, mais il y a quoi? Oui. Tu es parti, ça n'a pas marché, il faut parler. Ah, grand frère, depuis là, ma petite soeur, il dit, je suis parti une fois, la gosse n'est pas présentée. Pourtant, j'ai pris billet d'avion, je suis venue. Je suis parti encore, on dit, bon, ils ont donné un autre truc. Je suis reparti encore. La gauche n'est pas venue. Ça fait deux fois. Il dit, mais si elle a raison, pourquoi elle ne se présente pas? Ou bien elle ne s'est pas représentée par quelqu'un pour que cette histoire puisse avancer. Il dit, il n'y a personne. Elles ne se sont pas présentées. Donc, elle n'a pas été représentée par son avocat non plus. Personne, on dirait, elle n'est partie. Elle n'est pas, il n'y a pas eu quelqu'un. Il n'y a pas eu avocat, il n'y a pas eu quelqu'un. Ils ne sont pas partis. Pauvre Ator. Donc, c'est comme ça que M. Touré, voyant le froid de 2006, ça c'est moi qui dis, c'est des dates que je donne comme ça. Mon analyse personnelle. M. Touré, voyant sa souffrance de 2002 dans le froid, peut-être allait s'arrêter, être vigile quelque part, s'arrêter de 6h jusqu'à 18h, les reins bloqués, pas. On donne son argent. Quand il quitte là, il arrive à la maison, il mange rapidement dans la cuisine un peu de gamelle. Il s'en va faire le deuxième boulot. Là, il dort là-bas. Il s'arrête. À la fin du mois, il a ses 3 000 euros, ses 3 500. Il économisa un peu. Il a fait sa maison. Donc, M. Touré se souvient de la douleur et du froid à 5h du matin au moment où au moment où il doit monter sur sa femme, le réveil sonne. Mbel, si tu n'étais pas leur coussin, tu allais être leur petit serpillère dans la chambre là-bas. Il y a. Il y a quoi? On dit c'est l'heure de te laver pour aller au travail, sinon tu seras. Donc il n'arrive pas même à faire le petit. C'est ça la souffrance de l'Europe. Je suis en train d'expliquer pour que les gens qui nous écoutent comprennent la souffrance et puis ma position dans le dossier. Vraiment. Il a souffert. Il a eu la tort. Et c'est comme ça que M. Touré, vous voyez, il est obligé. Il ne peut pas Mungu. Il ne peut pas voir bien ses enfants. Tous les crédits là sont restés en l'air. Je répète bien que ce n'est pas lui qui me dit ça. Et ça, c'est mon cul d'agir. C'est ton analyse personnelle. M. Touré dit, un aventurier courageux, ma femme, courage. Ce que je suis en train de faire, c'est pour le bien-être de la famille. Parce qu'avoir un mari seulement n'est pas suffisant. Un mari qui peut te sécuriser. Pareil que samedi, dimanche aussi. Voilà. Actuellement, tu souffres. Mais dans nos vieux jours, même si toi et moi, on n'est plus ensemble, mais les enfants seront heureux parce que je suis parti pour eux. Exactement. Monsieur Touré coupa. Il coupe le mungouli, il va se laver, il va au travail pendant des années. Vraiment. Monsieur Touré. Mathias, ça. J'ai dit. Oui. Pause. J'ai dit. Voilà. Madre. Oui. Madre. Maman, oui. La fille là, je parie qu'elle était en poule dans la chambre là-bas. Là. Ou bien elle était chauffage de la chambre là, parce que. C'est comme ça. J'ai dit. Ma soeur Amel. Ma soeur Nazier, j'ai dit, après ce qui est en train de se passer devant nous tous ici en live, je suis assise par terre. C'est-à-dire que l'élève a dépassé le maître. Non. Comment ça? J'ai dit. Ah, maman. L'élève a dépassé le maître. Mais je donne le tableau pour que ceux qui ne comprennent pas, ils font semblant, même qu'ils sont dans leur groupe, là, disent, c'est comme ça, l'Europe est difficile. Attendez. J'ai pas encore fini. C'est vrai, ce que tu es en train de dire là, on n'a pas dit le contraire, on ne peut pas dire le contraire à l'air là. J'ai dit, Francine, c'est normal, chaque année là, même à l'air là, elle est devenue Android. Nous on est Nokia, les anciens téléphones, nous on n'est pas traçable, mais elle là, elle est traçable, pardon.
C'est intelligence artificielle dans son affaire là. Hey, maman, ça a dépassé tout le monde. Donc, c'est dit que, attends, Motorola, moi elle était Motorola. Elle est Motorola. Vous savez, quand quelqu'un est inspiré, ne Ericsson. Ericsson, où il y a. Ma soeur Congé, Yachi, elle est inspirée, on a qu'à s'asseoir. Oui, c'est attendez. Ça. Il ne faut pas être rapide. Parce que c'est un béret, ça doit prendre un peu de temps. Donc, les gens sont en train de télécharger. Il ne faut pas finir le truc et puis c'est non, fini. Mais toi, tu sais que moi, je ne peux pas finir. Quand il y a cette histoire, on peut même faire 10 jours dessus, je ne peux pas finir. Monsieur Boga Press, ainsi ton live. Mon grand frère, Boga Press, touré de cœur pour lui. Yeah! Qui a traversé la neige, qui a souffert malgré son état. Non, que Dieu te bénisse, grand frère. Sois béni. Tu es sur mon live. Tu es sur notre live. Je te fais le bisou. Mon grand frère, il est là. Et j'explique la douleur, la souffrance de mon frère. Allez, mettez les cœurs. Allez, mettez. Voilà. Ta frère. Il lui a donné verre de coucou ce soir-là. Non. Mais je ne rien plus tard. Tu sais que je ne bois pas, maman. Non, mais Nazia, toi, ta frère. Elle n'a pas encore fini. Quand elle va finir, quand il y a démarré pour moi. Quand il y a démarré pour moi tout de suite, là, ça sera si goudron d'ado. Là. Donc, faut regarder seulement. Maman, donc, faut faire. C'est comme ça que mon grand frère, il voyait. Ça, c'est la deuxième partie. Je vous explique l'affaire de tribunal. Là. Il voyait que toutes ces souffrances-là défilaient dans sa tête. Et quand il était allé prendre son crédit à la banque, vous savez, souvent. Il y a des conseillers impolis façon là. Ils voient nous les tremblés là. Ils nous voient façon. Tu veux venir demander l'argent, bien tu t'en sors un peu. Si tu n'as pas un bon conseiller, il te fait façon. C'est comme ça. Le conseiller là-même ne veut pas donner crédit à mon grand frère. Mon grand frère, il a dû changer de banque. Ce n'est pas lui qui m'a dit. Et ça, c'est moi-même mes ingrédients. Je précise. C'est comme ça que M. Touré change de banque. Juste quand ça marche, il obtient son crédit. Oui. Il va commencer à construit sa maison maintenant. Donc, quand il se rappelle de toutes les foutaises, insultes, souvent sa femme le boude, les enfants même, il vient, il dit bonjour, tout le monde le boude. Toi, papa, tu travailles trop, on ne peut même pas te voir, on ne voyage pas, on ne peut pas profiter. Quand M. Touré s'est souvenu de ça, et puis il sait que deux fois, ils sont arrivés en justice, personne n'est venu, il dit, mais je partage ça encore sur Facebook. Moi, j'ai quoi? J'ai déjà tout perdu. Mais ils vont savoir que l'affaire là n'a pas été résolue. C'est comme ça qu'ils balancent le dossier sur Facebook. Il y a. Deuxième dossier là est sorti. J'ai dit, MLO. Dans tout ce que tu as expliqué là, regarde, je vais te poser une seule question. C'est pour savoir, pardon. Je suis gourou, j'attends. Tu sais, nous, on comprend en retard. C'est que les autres ont compris tout de suite. Là. C'est pour nous, là, c'est après. J'ai dit, tonton et Wada, Manon, tonton Touré, toi, tu es sûr qu'il n'y a pas eu un petit quelque chose dans le couloir? Parce que ne faut pas sauter les trucs. Bon, d'accord, j'ai laissé. Parce que les gens disent que pourquoi il est revenu encore sur Facebook? C'est ça, j'ai donné ce dessin pour que les gens comprennent. Il est venu sur Facebook parce que son cœur est chaud. Il se rappelle des frustrations, des douleurs. Et puis, il voit que sa maison, là, c'est lui-même son agent qui va aller faire encore. Il se dit, bon, de toutes les manières, au pays de gâter le roi. C'est lui qui a le roi. C'est comme ça qu'il exposa le dossier sur Facebook pour la deuxième fois encore. Oui. Oh, Dieu. Mais c'est quelle palabre qui finit pas. Et ma tante Claire, là aussi, tout ça, ça y est dans ton dos. On dit qu'elle a fait pas gros encore. Elle a fait pour nous naguer, même. Elle a fait plus gros que l'enfant. Donc, on explique ça comment. On va parler, ils vont dire que Donc, tu dis que tu ne connais pas deuxième dossier là. Voici affaire de deuxième dossier là. C'est foutage de tribunal là qui a mené deuxième dossier encore sur Facebook. Parce que tribunal de vrai, hier n'a pas abouti. Donc, Facebook, au moins, nous les béresseuses, on est là. On parle un peu. Voilà, c'est pour ça que c'est atterri sur Facebook. Je vous écoute donc, maintenant. Donc, ma fille MLO. Oui. Donc, comme le tribunal, des tribunaux, des gens qui doivent trancher, les vrais n'ont pas pu trancher. Il a dit que. Non, pas qu'ils n'ont pas pu trancher, non. Il n'y a pas de représentant, donc ils n'ont pas encore fini. Ils vont trancher, mais ça va en stand-by. Quand on est parti là-bas, mais elle compte sur quoi pour ne pas partir? Je ne comprends pas.
est comme si quoi, et puis quand on invite, elle vient pas. C'est juste une question. L'autre question qu'elle compte sur quoi là? Actuellement là, ta fille est mêlée avec son avocat. Je pose les questions. Il y a limite dans réponse. Hein. Si c'est la question sur M. Touré, lui, il compte sur quoi pour venir sur Facebook? Je vais te donner réponse. Mais go là, elle compte sur quoi là? Ah, Adam, ça moi je ne sais pas. Hein, sur quoi? Adam. Pour ne pas non, cette question s'est posée. Comme tu dis qu'on l'invite chaque fois, elle ne vient pas. J'ai dit, ah! Bon, oui, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas au-dessus de la loi. Donc, voilà. Est-ce que éventuellement, est-ce que très concrètement, elle a été appelée? Est-ce que le juge a constaté qu'elle n'est pas venue à deux reprises? Elle s'est pas fait représenter. Oui, normalement, cette affaire-là, on aurait pu. Sur TikTok là-bas, c'est pourquoi ils sont pas partis, ils sont allés parler. Oui, ils ont eu. Mais ça signifie quoi alors? Ça signifie qu'ils sont au-dessus de la loi? Ça veut dire qu'ils font leur propre loi? Non, parce que le maître, c'est là. Pour l'instant, on ne va pas mettre la loi dedans. Le dossier. C'est comme on dit qu'il n'y a pas eu de résultat, c'est vous Il n'y a pas eu de résultat, mais il y a troisième rendez-vous encore. Ah, c'est tout ça qui va assiéger, c'est comme un divorce. Madame veut divorcer, monsieur ne veut pas. On convoque monsieur une fois, tu ne viens pas. Ça fait un an. Deuxième année, vous relancez, il ne vient pas deux fois. Le juge a déjà la lettre. Troisième fois, il ne vient pas, on donne le verdict. On va vous délibérer. Êtes divorcé par un truc. Voilà. Ouais. Donc, la troisième fois, c'est là qu'ils vont trancher parce qu'il y a une expertise selon ce que, ce que M. Touré a dit et selon ce que les représentants de la STAS ont dit sur TikTok. Mais MLO. MLO. Oui. Si, si éventuellement M. Touré a tous ces éléments-là, et que M. Touré lui-même, il sait très bien qu'ils vont faire un troisième round et qu'il y a des possibilités qu'il gagne. Pourquoi il n'est pas resté silencieux pour qu'après, quand il n'aura pas vraiment... Il dit que... Vas-y. Pour faire définitivement, il se dise, OK, ça fait trois fois que je pars avec elle devant les tribunaux et que je ça ne se passe pas comme je veux. Finalement, je ne sais pas où me tourner. Voilà pourquoi je viens... vous mettre au courant de ce qui s'est passé. Comme ça, ça pourrait être une affaire générale. Mais est-ce que, pourquoi il n'a pas pris le temps d'attendre puisqu'il y a un troisième round? Voilà, j'ai te poser la question. Monsieur Touré est quelqu'un qui n'est pas bête. Et Monsieur Touré, qui n'est pas bête. Monsieur Touré est quelqu'un qui connaît Facebook aussi. Il sait la portée, l'influence des réseaux sociaux. Il sait. D'accord. Dit, tout ce qui se fait en catimini, entre eux, deux fois, ça n'a pas été. S'il ne vient pas exposer, peut-être que la première fois, il a exposé, voilà pourquoi peut-être ils ont eu rendez-vous. Sinon, ton affaire peut passer en justice et puis on peut te mettre sur 2 ans, 3 ans avant qu'on ne te juge ou bien avant qu'on ne te reçoive. Ouais. On est d'accord. Donc, il faut savoir qu'il y a un impact sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas. Il y a un impact sur les réseaux sociaux. Donc, il s'est dit quoi? Comme il y a troisième round, si je viens en parler, que tout le monde s'imprègne, forcément le dernier jour, même si elle ne vient pas, son représentant sera là. C'est une bonne tactique. C'est une tactique qu'il a mis. En tout cas, je ne vais pas mauvais. Et on ne va pas en vouloir. Et ça, il faut être intelligent pour savoir que c'est une tactique qu'il a mis en place. Quand tu n'as personne, que tu n'as que Dieu et que les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Tu enclenches le dossier, ça doit prendre. Mais j'ai dit où? Tu as gain de cause. J'ai dit où? Moi, je pense qu'il doit avoir un autre problème au milieu. Parce que moi, je vais essayer de parler. C'est tout? Je vais essayer de parler parce que comme M. Boga Touré presse, mais M. Boga presse, excusez là, il va. M. Boga presse, moi, je suis la bande de principale. Parce que vous me connaissez très bien. Bon, très bien, c'est trop dit. Dans le temps de quand ils ont cassé votre maison, vous, voilà. Je veux comprendre dans cette histoire. C'est vrai que je ne me prononce pas forcément, je ne prends pas de parti parce que je me suis dit, je ne suis pas là pour jeter la pierre à M. Touré. Mais je dis, étant donné que c'est un businessman, moi, j'ai trouvé que dans cette histoire, on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Excusez-moi du terme, oui. Ça dit, on peut être gentil, comment? Comme ma fille, elle m'a si bien expliqué. Il n'a pas dormi la nuit. Ça lui, même pour donner un coup à sa femme, c'était compliqué. Même pour faire ceci, il a fait tout ça. Mais j'ai dit, M. Touré Boga, j'ai dit au
souri, tu as souri dans le téléphone là comme ça. Quand on t'a dit que tu avais une belle voix là. De toute façon, tu as souri, que tu étais en joie, tu as oublié que la fille te devait l'argent. Il y avait une affinité bien prononcée entre toi et cette personne. Maman, pardon, maman, s'il te plaît, pardon. Pourquoi tu as coupé? Non, je ne te coupe pas. Mais toi, tu as fait une heure de... Je ne te coupe pas, c'est juste rapidement. Ma chérie, toi qui as écrit là, tout développement j'ai fait là, je parlais de M. Touré. J'expliquais. Hey. Voilà, je n'ai pas encore expliqué la vie de ta femme. C'est-à-dire qu'il a écrit quoi? Voilà. Il y a une qui est fâchée vas-y. Ici. Elle dit que Emma vous a fait quoi? Vas-y, maman. Ah, je ne vois pas où. Ah, c'est pour ça. Vas-y. J'ai répondu. C'est bon. Vas-y, maman, vas-y. Okay. Monsieur Presse. Et puis, là, non, Presse. Toi-même, voilà, non, aussi, on t'adore Presse. Toi aussi, ton nom, on appelle Presse. Mais voilà, toi, ta taille. Voilà pourquoi il est gentil. Voilà. Mais attends, tu as fini de parler du génie, il faut boire. D'accord, vas-y, maman. Depuis qu'on t'a donné un rôle d'avocat, on ne peut plus respirer dans le quartier Boileau. Mais ce qu'on a fait, c'est quelqu'un qui t'a parlé dans ton oreille. Il a dit qu'il a belle voix. Que même la soeur, même, ça dit qu'il y avait la marmaille qui était déclenchée. Ça dit que tout le monde n'a pas vu la marmaille venir. Donc, la fille voulait acheter la maison de M. Touré. Elle devait passer par une manière de dragage, de séduction. Oh, nous sommes pas en train de comprendre. Donc, M. Touré a vu le film venir vers lui. Il a compris la marmaille. Il dit que si elle ne fait pas attention, elle est sortie sans dans cette histoire. Je suis sûr et certain, je mets ma main à couper. Quand il s'est levé, il allait dire à son épouse, oui, quand tu es marié, tu es épouse. Il a dit à son épouse que, la fille là, je dois vendre ma maison, celle qui loue là. Sa femme s'est levée gris. Elle s'est assise comme ça. Comme je me suis assise aujourd'hui là. Sa femme qui dit quoi? Tu as vendu quelle maison? Maison de mes enfants. C'est ça qui a fait que c'est grâce à l'épouse de M. Touré. Je n'étais pas là-bas, mais j'ai eu leur comportement. Grâce au comportement de l'épouse de M. Touré, que M. Touré n'a pas pu vendre cette maison. Sinon, où on va commencer? Je ne dis pas qu'il y a eu l'homme, mais il y a les tentations de sourire. Parce que M. Touré était déjà pris dans le piège. Parce qu'il souriait à voix de foyer. Il souriait, il avait tous ses dents, ses 36 ans, 32 ans. Hein? Il y a quoi? Qui coupe? On n'a pas coupé, maman. C'est pas coupé. Hein. Ne me coupez pas. On dit que tu as signalé, mettez le cœur. Mettez le cœur. Si vous ne mettez pas, on va partir. On n'a pas pompé nous-mêmes avec le deuxième téléphone. Ah, donc si vous ne mettez pas cœur, on va arrêter. Parce que vous aimez Béret, mais vous n'aimez pas mettre cœur. Mettez le cœur et partagez. Donc M. Touré a vu aussi, on a dit, jolie femme, dessinée. Voilà, dessinée. Donc, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais on vous connaît aussi, vous les hommes, ce n'est pas ce qu'il a dit, il n'y a rien dit. Donc il a failli tomber dans le piège, mais. Il s'est vite ressaisi. Non, donc, moi je dis que. Quand il s'est vite ressaisi, il a. Voilà, ce n'est pas abouti. Voilà la fille, voilà. Parce que ma chérie, on a écouté les voix ici. Elle était en train de dire qu'il avait belle voix. Lui aussi riait. Il riait. Il m'engraçait. J'ai belle voix aussi. Les choses de séduction. Des choses de séduction. Nous, on a vu dans le quartier. Mais. Monsieur Touré a vu clair de lui, il n'est pas tombé. Moi, je pense que s'il n'a pas vu clair tôt. Il n'a pas vu clair. Ah, il n'a pas vu clair tôt. Comment toi, tu penses ça? Parce que moi, j'ai dit que dans leur affaire, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il doit avoir une intimité quelque part qui fait que l'autre s'appuie sur cette intimité. Ma soeur, il faut parler fort, tu n'entends pas le béret, parle fort, ma soeur. Il a dit. Moi, je pense, hein, c'est mon analyse. Hein. Après, je peux ne pas avoir raison, mais je dis simplement que dans cette affaire-là, il y a eu peut-être intimité quelque part, soit intimité dans la parole, soit il y a eu drague, soit il y a eu même jusqu'au bout. Il y a dû eu quelque chose qui fait que Emma, en tant que femme, elle chie sur son affaire. Sinon, normalement, s'il n'y a rien dans tout ça, là, vous allez jusqu'en justice, elle ne se présente pas. Il n'y a rien. Il doit avoir quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un puzzle que les deux ne nous ont pas encore expliqué. Soit
c'est de la version de Emma qui va clarifier les choses. Soit il y a quelque chose que tonton Touré va dire qui va faire qu'on va savoir ce qui se passe. Parce que c'est trop facile. Je peux défendre mon client, s'il vous plaît. Il faut le défendre. Voilà. Bon. Je respecte l'analyse que vous avez faite. Mais sachez que quand on dit, c'est comme moi, je vois le président de la République qui vient solliciter son chargé de communication, peut-être m'appelle, ou bien quelqu'un de là-bas m'appelle pour dire, c'est moi, ML, qui dois maintenant fournir la tchèque à la présidence. Vous pensez que quand le président va m'appeler là, pour dire que, ouais, mais ML, vous avez une belle voix, je ne vais pas sourire. Vous pensez que ma conversation, de toute façon, je parle gua, 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 là. Vous pensez que si c'est le président qui est en train de me parler, moi, je vais parler comme je suis en train de faire mon béret, là. C'est oui, bonjour, donc, je suis le président. Donc elle oui, merci. Je ne vais pas dire les présidents, c'est une figure de style, une image que je montre. Je ne vais pas dire les présidents. Je suis en train de dire que M. Touré, qui n'a pas adhéré à l'amour de cette dame pour dire que Dieu l'a béni, elle a tout, qui n'a pas cru à la réalité de tout ce qu'elle nous montrait. Qui n'a pas cru? On a tous cru. Donc M. Touré aussi, même s'il est en Europe, qu'il a des biais, il se dit que il a à côté de lui une collègue aussi, peut-être millionnaire, mais bientôt milliardaire comme lui. Et donc, du coup, qui est influenceuse, qui voyage partout dans le monde, c'est un honneur pour lui. Et quand la femme l'appelle, et que c'est elle-même, ou lui-même, il a assis, et puis peut-être tout homme rêverait, c'est les hommes. Oui. Et la fille, là, pourquoi ils ont les palmarès? Tu peux rêver en train de mungu une star, ou bien tu peux rêver en train de mungu, excusez-moi, peut-être Roselyne Layon, ou bien telle personne. C'est ton fantasme dans ta tête. Oui, ça arrive, c'est les hommes. Et quand tu vois que la personne même vient prendre ton pied, c'est un prodada pour toi, mais tu dis que... MLO, le truc qui est bizarre dedans, hein, pourquoi moi je doute un peu, je dis qu'il y a un puzzle qui manque. Le truc qui est bizarre, c'est que c'est pas comme si elle n'a pas l'argent pour rembourser le mec. Oui, effectivement. On va y arriver, oui. Parce qu'elle est... après toutes ces problématiques-là, elle n'a pas cherché à résoudre le problème. Parce que je veux souligner que M. Touré dit, même bisous, il n'y a pas eu. Ok. On ne sait jamais. Parce que c'est les êtres humains. Peut-être qu'il y a des... c'est pas tout, il va te dire, bien évidemment. De toute façon, ça n'engage que eux en privé. Il a dit, il n'y a pas. On va voilà. Prendre ce qu'il a dit. Je prends un exemple encore. Je trouve que c'est pas Madame une question... Madame Dagon, après on va te donner la parole, excuse-nous. C'est pas une question d'argent. Parce que si c'était une question d'argent, on n'allait pas l'avoir en train de faire un spa. Elle est quand même allée refaire un spa. C'est elle ou c'est quelqu'un qui lui a donné l'argent ou on s'en fout. En tout cas, elle nous a présenté un nouveau spa. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'elle a suffisamment de moyens pour pouvoir remettre la maison de Touré. Et ce qui me surprend un peu, c'est que finalement, avec tout cet argent-là, elle a construit des choses sur M. Touré. Touré dit que c'est pas ce qu'il voulait, qu'il n'a pas demandé, il n'a pas donné l'autorisation. Avec les extras qu'elle a envoyés, là, ça a dégradé la maison. OK. Elle repart encore louer. Je ne sais pas si c'est sa maison finalement, mais j'ai comme l'impression qu'elle a plus d'argent pour louer que pour créer elle-même ses propres bâtiments. C'est bizarre. Allô? Ok, oui. Bonjour. Bonjour, maman Francine Ba. Bonjour, ma grande sœur Nazie Christelle. C'est Rita. C'est Rita. Ah, Rita, il y a. En fait, moi, je dis que... Excuse-moi, pardon. En fait, je me dis, j'ai l'impression que c'est la familiarité qui a fait que ce problème aujourd'hui n'arrive pas à être résolu, en fait. Oui, je pense. Parce que, on n'était pas au début quand ça commençait. Vous voyez? Et moi, je me dis, le monsieur a eu tort, en griffe, c'est que, étant donné que tu es un homme d'affaires, En fait, je me dis que le truc n'est plus crédible dans la mesure où il est venu se mettre sur la place publique et étaler. Et avec ça, tout le monde a commencé à mettre la bouche dessus. Et quand c'est comme ça, on voit que tu n'es pas... les gens se disent que peut-être
C'est pas crédible, en fait. C'est pas un homme... je sais pas comment j'ai dit ça. Vous dites que c'est pas crédible. Non. C'est vous en fait, c'est pas le mot que j'ai bien employé. Attends, c'est pas... En fait, les gens... C'est-à-dire que le truc est tellement grave, mais à force de parler sur les réseaux sociaux avec des gens même qui n'ont même pas hein, les qualifications de pouvoir trancher sur ce problème-là, les gens bafouent en fait la situation, la gravité, en fait. Les gens ne voient pas la gravité de ce que M. Touré vit, en fait. Parce que ça a été trop étalé, les gens ont parlé, il y a eu plein de panels. Donc, c'est comme ça, on s'est dit que peut-être, c'est peut-être, bon, c'est un homme peut-être qui n'est pas, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un homme qui n'est pas trop crédible, en fait. Moi, je me dis, c'est mieux de laisser dans la main des autorités et qu'ils suivent réellement cette situation. S'il veut que ça soit résolu, qu'il tape à la porte de qui de droit, en fait. Parce que se mettre sur les panels, et il y a d'autres qui l'insultent, alors que c'est son bien qu'ils ont gâté. C'est son bien qu'ils ont gâté. Et concernant notre sœur Emma Louest, je me dis que, étant donné que tu as les moyens, moi je me dis, si j'étais à sa place, j'allais réparer son truc, sans problème. Et en ouvrant d'autres choses, c'est comme si je me foutais du monsieur, en fait. Même si on sait jamais, peut-être ils sont amis, on sait jamais. Il y a eu des choses qui se sont passées, on sait jamais. Mais je me dis, pour la bonne foi, moi, pour l'image qu'elle a, pour la personnalité qu'elle est, moi aussi, moi, j'étais à sa place. Moi, j'ai arrangé ces trucs. Oh, ben, je l'appelais, on s'asseyait et on parlait. Et puis, c'était clos. Parce que c'est son image aussi qui se gâte. C'est son image qui se gâte. Et M. Touré aussi, il est dans sa souffrance. Il veut réparation. Donc, moi, en tout cas, si moi, j'étais l'ami de Emma Louest, ben, j'étais sa mère, j'allais appeler ma fille. Ce truc-là. Faut pas que les gens aient les yeux sur toi. Fais, tu vas régler le problème du monsieur. Il a tort, il n'a pas tort, ma fille. Assieds-toi avec lui. Tu lui dis à quel moment tu vas tu vas arranger les trucs. Et tu dis au monsieur, arrêtons de se mettre sur le net. Arrêtons de se mettre sur le net. Parce que tout ça, c'est l'image de M. Touré. C'est l'image. En fait, non, Emel. J'attends après la parole. Je vais juste vous dire que. Oui, maman. Voilà, n'essayez pas de minimiser les personnes qui sont sur le net. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Facebook est fait, les réseaux sociaux sont faits pour que les gens puissent parler. C'est qui est parti? Qui est parti? Moi, je suis là. C'est ML, on dirait. C'est maman ML. Mais, parce que c'est maman ML. Elle va revenir. Ok. Donc, quand on dit qu'on vient sur les réseaux parler, que les gens bafouent et tout, non. Il faut nous dire qu'il y a certains. Ouais. Quand on est sur certains, oui. Quand on est sur la toile, quand on parle, il y a nos voix qui portent. Si. Même les autorités de la Côte d'Ivoire, il y a des décisions qu'ils prennent quand les réseaux sociaux sont vraiment bruyants. Ils viennent là au journal pour donner des explications. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, c'est pas mauvais. Quand quelqu'un vient sur les réseaux pour expliquer son ras-le-bol, c'est pas mauvais. Mais il y a des solutions, comme on dit, pour aller partir directement, porter une plainte, trouver une solution. Mais il y a des gens qui n'ont pas aussi cette capacité. Ils viennent sur les réseaux et quelqu'un qui a honte, comme tu dis, ou bien qui ne veut pas que son image se bafoue, va se cacher rapidement pour régler le problème. Mais on est tombé sur une soeur aussi, on ne sait pas pourquoi elle est braquée. Moi, c'est ça. C'est ça mon problème. Je dis, elle est braquée, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui fait. Il y a quelque chose qui fait que. Oui, son pied est sous caillou, comme on le dit. Voilà, même si son pied n'est pas sous caillou, je sais qu'il y a quelque chose. Dis simplement que, moi, si j'ai un message à passer à M. Touré aujourd'hui, je vais lui dire simplement, M. Touré, c'est du problème. Conan, ça ne passe pas. Redemande, Conan, ça ne passe pas. Redemande encore. C'est du commerce que tu as fait. Et c'est dans le commerce qu'elle est dedans. C'est au nom du commerce qu'elle a quitté chez toi pour aller faire commerce ailleurs. C'est enfin, ça. Il faut le laisser. Reprends tes activités. À quel crapaudson. Il faut le laisser tomber tout ça là. J'ai déjà parti deux fois en justice. Toi-même, tu as vu que c'est un signal. Tu as vu que il n'y a pas Chokoya. Ça veut dire que c'est le village à village. Et que toi, ton village est plus petit que son village. Itato Alamawa. Reprends. Il faut retaper ta maison, tu vas mettre ça en location. Elle a encore des commerces, non? Amen. C'est tout.
C'est comme ça qu'on fait tout ça là, parce que nous, on n'a pas la solution. Nous, on va bavarder seulement pour rien. On n'a pas la solution. Là, parce que ça fait combien de temps la maison est gâtée et qu'elle elle est quittée dans la maison, elle est partie retaper une autre maison vite fait pour faire en pire. Donc, ça veut dire que ça fait un moment que ta maison est en planque. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas. Mais prends crédit si tu veux, tu retapes la maison, tu mets en location. La caution qu'on va te donner, là, tu vas rembourser un peu le monsieur. Ça va aller. Si tu retapes ta maison que tu mets en location, là, dans 6 mois, tu vas rentrer dans tes fonds. Laisse ça. C'est commerce. Laisse ça. En plus, il y a un peu de moquerie en bas. Il n'a qu'à taper l'œil. C'est, voilà. La fille même, elle te nague. Si éventuellement, devant Dieu et les hommes, que tu penses que tu as été franc et que tu te reproches rien, papa, c'est le commerce. Retire ton bois, va faire ton champ ailleurs. Il faut laisser. C'est comme elle est en train de faire ses mains. Peut-être qu'il y a quelque chose, elle aussi, elle aura, peut-être que quelqu'un va gaspiller son bien, j'en sais rien, moi. Parce qu'elle est en train de chercher la rien dedans, non. Il faut laisser. C'est ça qu'il y a des palabres là, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Il y a des palabres pour ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce sont de bons conseils. Ce sont de très bons conseils, maman Francine Ba. En fait, quand je parlais de gens sur la toile, moi, je ne parle pas de... Ça, c'est des solutions qu'on apporte pour régler certaines situations. Quand je parlais de gens qui viennent sur la toile, essaient de faire comme les causeries de coups communes, là. C'est deux mots que je parle. Sinon, et actuellement, on donne des solutions. Et la solution qu'elle vient de donner. Moi aussi, je suis connecté là, et je suis Emma Louis, je te jure, Wallahi Bilay. Je vais appeler M. Touré. Ah, mon grand frère, pardonne-moi. Pardonne-moi si je t'ai frustré, bien sûr. Pardonne-moi si je t'ai causé du tort. Et ça touche le cœur. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde faisait cette communication, je pense que elle allait régler même, peut-être même. Ça allait s'éteindre même. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là, maman, Francine, là que j'ai dit ça. Non, je veux dire que, non, mais c'est pas toi seul. On entend souvent dire les gens, on ne sait pas, vous venez discuter, mais quand il y a des gens qui ont besoin des blogueurs, ils viennent, et puis les blogueurs sont des personnes, quand on parle, regarde là, il y a 400 personnes. Quand on va sortir de là, il va y avoir 10 000, 20 000 personnes qui ont vu la vidéo. Et dans ces 20 000 personnes, ou bien 30 000, il y a des autorités de la Côte d'Ivoire. Exactement. Il y a des personnes qui sont dans leurs problèmes qui vont voir la vidéo là. Donc, comme on dit, comme ma soeur Naziolou vient de dire, je suis d'accord avec elle. Dans le sens que quoi? Quelqu'un, tu as donné ta maison. Tu es en train de remuer ciel et terre pour que ce problème-là puisse se régler. Ce n'est pas facile parce que tu as investi de l'argent. Et c'est difficile de trouver des millions pour refaire ce qui se passe actuellement. Mais là, tu es en train de perdre du temps. Parce que ça fait même des mois. Tu es en train de perdre du temps, monsieur Touré. Si effectivement, tu as un peu d'argent, on va dire, mais pourquoi c'est pas elle? Mais elle est en train de te narguer, elle ne va pas le faire parce qu'on ne sait pas, ce qui vous lit. Nous, on vient là, on prend la caméra pour parler parce que c'est le béret qui se trouve sur le métal. Mm-hmm. Sinon, le fond du problème, on n'est pas là-bas, on ne sait pas quel était le contrat, quelle était vos affinités jusqu'au point qu'aujourd'hui, la sœur refait encore un autre pas sans même arranger, même quoi le bien qu'elle a gâté. C'est pour ça que je dis, il y a un guise sous roche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, maman. Quand tu étais là, sur Facebook, envoyer des panels, aller sur Facebook, sur TikTok, ainsi de suite. Mais c'est ton énergie que tu dépenses. Dans la vie, on dit, c'est pas dans tout on fait palabre. C'est pas dans tout on se déshabille pour se battre. Il y a des situations là où tu as assis droit en calme. Et puis Dieu va faire ton palabre. Toi-même, tu vas t'asseoir. Tu n'avais pas besoin de te déshabiller. Exactement. Tu n'as pas besoin de te déshabiller. Souvent, la douleur, tu as mal, comment? Et puis, tu prends sur toi, tu dis, il est bête, oh, il ne parle pas, oh, il est comme ça, tu dis, c'est pas grave. Lapidez-moi. Ouais. Mais j'ai confié mon problème à Dieu. Mm-hmm. Ben, c'est lui seul qui a le dernier mot. C'est lui seul qui va pouvoir régler ce problème-là. Si j'ai tort, Dieu va le régler. Si j'ai raison, Dieu va le régler. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire actuellement sur les pas de là, c'est bouche, c'est remuer bouche. C'est juste que, bon, voilà. C'est sur la toile, c'est notre travail, donne-nous un peu en cause. C'est le béret, chacun met son grain de sel. Sinon, où l'a fait arriver là? Hein? C'est que M. Touré, parce que lui-même, il a une santé fragile. Il est un
problème de cœur. Ah. Donc, il va s'il a un problème de cœur, mais surtout, un problème de cœur. Tu vas rester là, les biens que nous... Et Emma aussi, d'un... Hey. Non, faut pas dire ça, Emma aussi, faut pas dire ça, faut pas la juger. Laisse-la comme ça. De toute façon, peut-être que demain... Les biens que nous sur la toile, écoute-moi, mais sur cette terre-là, souvent on laisse partir. C'est pour ça que je me dis, pourquoi je ne me prononce pas trop dans cette histoire? Parce que moi, je dis, il y a Anguille sous roche. Exactement. Qui est un peu fou. Donc, je ne peux pas trancher. Voilà, pour dire que je suis pour M. Touré ou bien je suis pour M. Ouest. Parce que dans mon cœur, je dis que ce n'est pas clair. C'est pas clair. Moi, ce n'est pas clair. Et je ne vais pas me retrouver comme une teubée. Voilà. Dès un moment où Emma Ouest va être prête maintenant à donner son point de sa réponse, elle va nous sortir un discours et puis nous sera attrapé. Nous n'avons pas appris où, mais où. Donc, si on savait, on n'allait pas mettre notre tête, notre corps dedans. Mais tant qu'elle n'a pas encore exprimé, elle ne sait pas encore, c'est-à-dire qu'elle n'a rien dit. Elle n'a, c'est que moi je pense qu'elle a son pied quelque part sur caillou, ou bien elle a des raisons pourquoi elle agit comme ça. Moi je vous dis, elle a des raisons pourquoi elle agit comme ça. Parce qu'une femme qui agit dans cette bruit de couloir, tout ce qui se passe sur Facebook, et puis elle est là, douanzen, on dit on t'a convoqué. Elle va pas. Mm-hmm. On dit une fois, elle fait vraiment. Elle n'envoie même pas un représentant. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ah, la vie de l'homme. Vous voyez un peu, non? Oui. Parce que confiance est un peu là. Je ne sais pas si tu veux. Non. C'est vrai que ce n'est pas bien de gâcher le bien d'autrui. Il faut savoir que c'est une situation qui a travaillé à la sueur de son front. Et ce n'est pas évident, effectivement. Dans la vie, sachant aussi, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est comme moi, c'est comme vous qui me regardez. Dans le business, il n'y a pas d'affinité. C'est ça, la dans familiarité. Ils sont en train de signaler la page. Ils sont en train de signaler où? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Dans le business, il n'y a pas d'affinité. On est en train de donner des conseils. On ne peut pas partir. On est en train de donner des conseils. Il n'y a pas de... Tu es mon parent. Tu es mon ami. Parce qu'on travaille ici durement à la sueur de notre front. Cette histoire de M. Touré doit nous servir de leçon, nous toutes. Si demain, on a un business, sachons écrire noir sur blanc des contrats. Exactement. Sachons faire les choses dans les règles de l'art. Il n'y a pas à faire des arrangements pour dire que comme c'est ma bonne petite mère, c'est ma... Tu me donnes 50. Moi, j'ai déclaré 100. S'il y a un problème là, tu sors perdant. On dit aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Et puis, tu fais le jour que le problème arrive, là, la personne va enlever ça de ta tête. Tu vas te mordre. Monsieur Touré, actuellement, tu te mordes les doigts. Monsieur Touré, actuellement, regrette parce que d'après lui, il avait confiance à une petite sœur. D'après lui, il ne pensait pas un instant que cette petite sœur-là pouvait lui faire ça. Sachons tirer les leçons de tout ce qui se passe sur Facebook. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vraiment. Francine Ba. Oui. Francino. Tu sais, moi, je dis que M. Touré, il doit se calmer. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a dit le bien de quelqu'un, tu veux qu'il laisse pourquoi. Mais est-ce qu'il ne laisse pas et qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas construire ça. Mettez les cœurs. C'est lui-même qui va. Les gens n'arrivent pas à remonter. Hein? Elle-même n'arrive plus à remonter. Moi, je ne dis pas que c'est bien, il n'est qu'à aller arranger, qu'elle m'a bien fait. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que c'est. Et puis, c'est des conseils qu'elle a donné. Quand tu es en train de faire un business, il y a parfois des années d'échecs. Hein? En tant qu'un bon business man et woman, tu dois savoir que ce n'est pas tout qui va fonctionner à la lettre et qu'il y a des investissements que tu vas faire qui peuvent tomber à l'eau carrément. Exactement. Par contre, il y a des petits investissements que tu vas faire qui vont te rapporter gros. Exactement. Donc, dans le business, tu perds et tu gagnes. Il n'est qu'à s'estimer heureux que ce n'est pas le gouvernement qui a cassé sa maison et puis ça n'a pas allé quelque part. Il n'est qu'à s'estimer heureux qu'ils n'ont pas cassé la maison. Il y a eu dégradage. Et ça va se blesser. Donc, elle a seulement dégradé. Il n'est qu'à attraper son cœur. Ah, Djidja,
il n'a qu'à fructifier cette maison-là. Au lieu de laisser garer et puis courir dans tous les sens. Moi, je pense qu'il n'est qu'à... Parce que c'est les frais de dossier. Le fait qu'il paye un avocat, il fait ceci, il fait cela. Tout cet argent-là. Moi, je pense qu'il peut déjà monter deux, trois trucs dans sa maison et puis reprendre la vie à zéro. Maintenant, comme ça est dans la main de la justice, on laisse faire la justice. Si la justice n'a rien fait et qu'eux, ils n'ont pas donné gain de cause, ce n'est pas un problème. Dans ce cas-là, il a déjà arrangé sa maison et il a mis ça en location. Et puis, on passe à autre chose. Parce que dans tout business, il y a des pertes. Il n'est qu'à comprendre que cette année, ça n'a pas été sa chance. Ce n'est pas grave. Et heureusement, encore que c'est Emma Louis. Ça pouvait être quelqu'un comme moi. On a no name. No name, là, tu as fait quoi? Heureusement, encore que c'est Emma. Si tu as dit Emma n'a pas payé ma maison, tout le monde la connaît. Mais nous, les non-aimes là-haut, si on avait pris ta maison là-haut, si tu allais venir parler dans Facebook, on allait dire, mais c'est qui même? Qui a pris sa maison même qui n'a pas payé? Mais oui. Ça, t'es pas non-aime. Donc voilà. Donc ça fait que moi, je pense que c'est une perte qu'il a fait cette fois-ci. Il n'a qu'à attraper son cœur. Au lieu de payer des avocats, justice deux fois, elle n'a pas fait de comparution, elle n'a pas été représentée par des avocats. Il faut très bien comprendre, il faut comprendre le signal. Ça veut dire qu'elle drive là. Mais là, justice aussi, ils n'ont qu'à jouer leur rôle aussi. Dans justice, dans toutes les justices du monde entier, il y a des injustes qui sont jugés. Il y a des gens qui n'ont rien fait et qui subissent. Dans le monde entier, prie Dieu que ça ne tombe pas sur toi. Okay? En tout cas. Donc voilà, si le malheur arrive partout, ça pouvait être que c'est la tapette qui allait prendre sa maison pour partir. Qu'est-ce qui allait se passer? Rien. Ça pouvait être dans les maisons de Yopougon aujourd'hui qu'ils ont cassé. Et puis c'était fini. Donc aujourd'hui, là, moi je pense que si ça a été dégradé seulement, au lieu de payer les avocats pour se faire chier, il n'a qu'à retaper la maison à son rythme. Et puis il n'a qu'à mettre en location. Voilà, il n'a qu'à éviter tout ça. Si vraiment la justice est égalitaire, Dieu va faire sa justice. Un matin, il sera assis, on va dire, ouais, on va te dédommager. Voilà. Il y a des dossiers qui traînent jusqu'à un pied, un matin, tu te retrouves, le dossier même, tu l'as oublié presque, et puis bon, le bon résultat arrive. Voilà quoi. Ok, ma chérie, donne ton point de vue, et puis après, je vais prendre les ML là. Donc, attends, j'ai descendre, ML va monter, non? Comment ça va descendre? En 4, donc elle va donner son point de vue, et puis il y a ML, et puis il y a Nadia aussi. Nadia, ramène. Ramenez quoi? Vas-y. Non, pas toi. Conan plutôt. Mais Conan, elle est où? D'après elle, ça dit elle envoie, mais ça passe pas. Ça, c'est pas pour le réseau. C'est un réseau. Là, ça tourne. Ça tourne. Donc, Madame Rita, essaie de donner ton point de vue, les conseils, la conclusion, et puis on va essayer de. Comme ça signale, en fait, c'est pour ça que ça passe pas. Mettez le cœur. On met le cœur. J'ai dit, oh, l'affaire de. Non, c'est pas la même affaire. C'est ma tête qui tourne par là. Il y a cafard dans mon cerveau, pardonnez. J'ai dit, oh, affaire de deux vies, c'est comment? Hein? Après, t'as dit Daisy là. Comment? Faut parler doucement. Après, qui ça? Daisy. T'as dit Daisy, son magasin a brûlé. Après, t'as dit Daisy, son magasin a brûlé là. Ce dossier est lourd. Hein. Ah. Et on dit que les femmes l'ont porté. Ah. Et c'est lourd. Hein. Ah. On va revenir. Pardon. On dit qu'ils ont plainté les gens là-bas. Aïe, oui. Ils ont plainté les gens. Et puis la petite, on l'a convoquée. Et puis elle est partie dans l'enfer de plainte là. Et puis elle est ressortie. Mon nom. Bon, moi, oh. On dit dans le pays là, Drève, là, il y a village. Il a dit mon nom. Mon nom, pardon. Pour essayer assis par terre ici. Mais envoie invitation. On dit à jour en cours. Elle à jour en cours depuis 1900. Ils ont signalé. Ils ont signalé le live là. Hein? À jour au coup de pluie. Ça ressemble un peu à gros business. Ah, mon cher, cette affaire là. Hein? Mmh. Donc, moi, voilà, en fait, moi, franchement, cette histoire là, comme j'ai dit, c'est tellement délicat. Des personnes qui se sont entendues, et puis aujourd'hui, ça se retrouve sur Facebook en train de se
tirer les chignons un peu partout. Oui, une histoire que même nous, on n'était pas témoins. Mais comme quand ça arrive sur Facebook, on met notre bouche là-dedans, c'est vrai que ça. Sinon, ça, là, comme on dit, Facebook n'est pas un tribunal. Facebook, là, c'est le béret. Mais aussi, Facebook aussi peut contribuer aussi à décanter une situation. Donc, ma soeur ML, Emma, c'est vrai que hier, tu as fait live sur TikTok. On dit que vous ne répondez pas, que vous êtes les stars. Mais on a remarqué que maintenant, tout le monde répond. Son journaliste répond, son influenceur répond. Nous tous, on est dans le même cas. Tu sais pourquoi elle a répondu hier? Non. Tu sais pourquoi elle a répondu hier? Non. Elle a fait nouveau-né. Son nez est nouveau. Hein. Ah, bon, d'accord. Elle m'a tué. Ma grand-sœur qui s'est m'a tué. Elle a nouveau-né. Elle veut nous montrer son nouveau-né, mon cher. Elle est jolie. C'est pas... Ah, ça là. En tout cas, mes copains ont donné l'apparence que c'est nouveau néo. En tout cas, mes copains, c'est qu'ils ont bien fait. Moi, je n'ai pas fait attention, tu sais. Elle a une vidéo, là, elle a fait, là, j'ai dit, aïe, c'est nouveau né, c'est quelque chose. Elle a changé sa mâchoire, c'est quoi. Elle prend thé pour maigrir dans deux jours, là. Eh Dieu, c'est quoi pour nous tuer. Il y a Kona qui est là, oh. Kona, Mais pourquoi c'est bloqué? Qui est bloqué? Non, non, c'est pas toi, vas-y. Moi, c'est lundi, bonsoir. Donc, ça, tu as monté. Il faut dire ton bonsoir. Dis bonsoir, tu es au courant de ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, j'étais. Elle n'est pas là. Après, là, c'est compliqué. Pardon. On dit, attends, il y a coupé coup pour celle-là. Pardon. Il y a coupé coup pour elle. Et Omar, on dit. Hein? On dit, monsieur. Ah, oh, c'est Tata Carole. Monsieur, oui, il n'a pas. C'est Tata Carole. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Sur le. Ma soeur, attends. Faut pas y couper. On dit, il est revenu ici, Tata Mi, et qu'il dit, ça fait deux fois, il va au procès. Maman, Tati ne vient pas, Tati ne fait pas, elle ne se fait pas représenter. Donc, moi, je vais parler, monsieur Touré, là, attends, écoutez un peu le direct. Monsieur Touré, normalement, il doit jouer dans affaire de comédie musicale. J'explique pourquoi. Vous m'attendez? Parce que lui, est dans beaucoup de ballets. Il fait ballet, il fait comédie musicale. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont à Abidjan. Les gens ont gâté la maison, ils ont arrangé. Parce que vu nos patrons, il est parti avec nos patrons. À côté de la lagune, là, à Abidjan, là, si c'est la mer ou si c'est la lagune, ils ont fait arrangement. Il dit, il ne va plus parler de cette histoire de maison, que c'est arrangé. Ils ont salué lui et puis vu nos patrons. Il y a eu son truc ici. Donc, si M. Touré veut devenir blogueur, ce n'est pas une histoire de venir défendre les choses. Emma Louès, si elle a gâté sa maison, n'a pas gâté sa maison. Mais qu'on va réagir, nous tous, là, nos problèmes dépassent pour ce qui est Emmanuel et Emma Louès en train de vivre. C'est le fait que M. Touré tourne en rond sur lui-même. Parce que quand tu donnes, quand tu fais un état des lieux, Babada, on a fait la même chose, on ne sait pas où c'est quitté, quand Cracha avait serré ma gauche. Quand tu fais un état des lieux avec une personne, tu refais un état des lieux avec cette même personne avant de sortir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie avant l'état des lieux. J'ai dit, nous tous, on est sur Facebook, là. On n'a pas vu Ampi 17 en train d'évoluer. Lui, il n'a pas vu qu'on poussait ses murs. C'est une question, hein, parce qu'on commence à pousser ta voiture. Toi-même, tu sais que où tu as garé ta voiture là, tu as mis le frein à main. Quelqu'un est venu s'asseoir et puis il a enlevé le frein à main. Ta voiture a avancé. Tu n'iras pas dans le quartier, pourquoi ta voiture a avancé? Tu vas te demander. Mais là, je crois qu'il y avait un truc. Hein. Mais quand tu fais ta vidéo là où il y a les gens là, il y a quelque chose qui a poussé là-bas. Tu dois voir une fois par an, c'est stipulé. Normalement, dans le contrat de bail, que le propriétaire a le droit, une fois par an, de venir visiter la maison pour voir dans l'état dans lequel la maison se trouve
qui t'a fait des travaux, il fait des travaux. Mm-hmm. En ce qui concerne comme la plomberie et tout. Mm-hmm. Donc pour moi, M. Touré est venu, il s'est assis, il a fait vidéo, il dit j'ai gâté sa maison une première fois. Il est venu faire vidéo pour dire qu'il laisse affaire là, il était avec nos patrons, que ces choses. Il y a quelqu'un qui a écrit, nos patrons est le frère de Léa Dubois. Non, mais même si, quand ils ont fait leur bail là, qu'on n'était pas là, parce que quand on va parler, on va dire que non, c'est que les alliés des temps qui sont venus. Donc les gens vont penser que c'est une attaque directement de notre famille à Emma Loès. Quand j'ai dit notre famille, beaucoup de gens ont compris. Non, j'ai préféré globaliser. Là, non, mais là. La grande Patricia, bonsoir, la grande. Bonsoir, ML Révélation. Comment tu vas? Bon, n'a pas peur. Hein? Ah. Voilà, je vais bien. Je vais arranger. Non, madame la pasteur, je n'ai pas fini. Parce que toi, quand tu commences, tu ne finis pas. Il n'est bon, pas faut fini. Finir, faut thank finir. You. Very oh, much. Madame la pasteur. Oh, non, aussi, hein. Je n'ai pas fini. Donc en fait, je reste dans une logique de dire que quand tu fais une maison à habiter, ce n'est pas un magasin. Quand il y a une propriété qui est là pour habiter, il y a des gens qui prennent beaucoup de villas pour maquis. Ils gâtent les villas des gens. On a pris, on a fait Empire 17. Il était où? Vous êtes sûr qu'il n'est jamais allé visiter Empire 17 là jusqu'à aujourd'hui? C'est les biens là, avec les bouteilles de champagne vides là qu'il a trouvé là-bas. Il y a un fois qui passe où on lui dit de quelle antenne de faire, il a dit oui, aussi. Non, moi pour moi, franchement, s'il a quelque chose à régler, je pense qu'il y a eu beaucoup d'affinités avec notre sœur. Et Maloès, ils vont régler ça entre eux. Parce que personne n'est venu signer un bail à un mois. Mais tu as fini? Tu m'attends. Je t'attends pour finir par ce que tu es en train de dire là. C'est, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais tu n'es jamais d'accord. Tu n'es jamais d'accord. Toi, tu n'as pas. Oui, tu n'es jamais d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, donc on va débattre. Je ne suis pas d'accord avec ce commence que tu... là où tu veux que ça commence, ça continue. Quand tu dis que quelqu'un qui a sa voiture, on pousse, il n'a pas vu, il n'est jamais allé au spa. Mais dans le premier dossier, ça là, ça a été, c'est sorti. Il a dit qu'il ne veut pas que excuse-moi, soit... je vais répondre à Lolo Montana, excuse-moi. D'accord. Non, mais l'affinité ne... Ma chérie, on loue maison à Abidjan aussi par affinité. Hein. Ça peut arriver dans un sens. Je ne veux pas qu'on soit très dans un truc très, très serré contre Emma Loès. Ça peut nous arriver à tous. On n'a qu'à regarder, on va passer. Non, on ne va pas passer. Pardon, ML Révélation. Mais il faut être dans une logique qui te dit que ça peut arriver à toute influenceuse. On continue. Mais oui, la logique aussi dont tu parles là, la logique inclut le respect, la logique inclut le dialogue. Si toi et moi, on a un problème, on passe sur la base de la confiance uniquement, et que je n'arrive pas à échanger avec toi, je n'arrive pas à faire, et puis je vois que tu es en train de m'énerver, faire des choses. La logique, logique est, quand tu prends crédit, normalement, mais quand tu prends l'argent d'une personne, ou bien tu as fait une bêtise, l'erreur est humaine, nous tous on peut commettre des erreurs. Qu'est-ce qui rachète cette erreur-là? C'est ta manière de... Excuse-moi, pardon. J'ai dit une chose qui n'est pas prise, qui a été mal prise par Nikita Esther de Bengue, parce que c'est une grande sœur que je respecte beaucoup, que je vais répondre. Et puis, je vais partir. Excusez-moi, ce débat ne m'appartient pas. Je vais partir. Parce que c'est comme si... C'est un clan qui est fâché avec un autre clan. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport aux commentaires. Moi, je vais partir. J'ai donné ma logique. Quand je parlais de comédie, c'est une histoire. Non, ML Révélation, j'arrive. Parce que quand je vais... Moi-même, où je suis là, je dois, j'arrive. Quand je suis venu, c'était dans une logique de donner. On n'est pas obligé de se comprendre. Je ne suis pas là pour défendre une personne, pour laisser une personne ou quoi que ce soit. Si quelqu'un dit qu'il est d'accord, de toute façon,
Sur un million de personnes, un million de personnes n'est pas d'accord sur un sujet qui peut arranger toute une nation. Mais moi, j'ai fini, je m'en vais. Il ne faut pas qu'on croie que oui, on est venu pour débattre. Je suis dans une convalescence qui fait que je ne veux laisser personne m'atteindre spirituellement. Donc, je m'arrête là. Je suis partie. Francine, je t'aime. Je vous aime tous. Je suis partie. Non. Les gens aiment interpréter à la manière qui me plaît pas. On va laisser. Oui, je sais. Je ne suis pas habituée. Non, pardon. J'ai déjà mal à la carotide. Je ne suis pas habituée. Je suis venue. J'ai donné mon avis. Les gens ne sont pas choses. Le jour où j'ai envie, le truc des mal au S et puis M. Touré, là, ne voulait pas mettre ma bouche dedans. Non, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui va monter. Il y a quelqu'un qui veut monter, on a qu'à la faire monter, elle va parler. Avec moi, hein. Non, je ne parle pas, je ne suis pas fâchée à toi. Non, je parle dans les commentaires parce que c'est comme si les gens pensent que je suis pour monter, pour défendre. Non, ce n'est pas toi, Josée. Je suis montée pour défendre Emma Loès alors que je suis dans une logique. Je peux parler à Kona. Il faut parler à Kona, c'est toi qui la maîtrise mieux, il faut lui parler. Attends, non. Non, c'est bon, je suis parti. Faut pas écouter commentaire. Bon, est-ce que tu m'écoutes? Elle est là. Je t'écoute. La personne qui a mis commentaire là-haut, c'est ça qui va faire que ce soir là, ton sommeil va pas venir. Ah, mais il y a sommeil même, toi-même tu connais. Il y a quoi? Elle a dit ce que tu penses. Elle aussi, elle a dit ce qu'elle pense. Et puis on est tranquille, nous tous. Où est le problème? Tu vas où? Donc c'est elle qui va t'enlever sur Facebook. Donc on va parler beaucoup de ça. Non, elle est sur Facebook. Je n'ai pas vu. Non, j'ai mal. Ça m'a fait mal à la gorge. C'est bon. Bisous. Prenez quelqu'un. Non, j'ai laissé. Je ne suis pas fâchée. J'ai laissé. Ça tourne. C'est comme si, pour moi, à partir du moment où il s'agit d'une de nos sœurs, c'est vrai, elle a fait une bêtise. Monsieur Kone a fait la bêtise d'être. Moi, j'ai jamais vu des locataires être amis. Voici, c'était aussi arrivé à l'autre fille qui parle pas bien français, là, avec son locataire. C'est parti où? Elle est guinéenne, mais malienne, j'ai oublié son nom. Qui ça? Mais là, celle qui a dit qu'elle ne paye pas le loyer parce que son locataire l'avait beaucoup pire là. Mais là, elle pleure. Voilà, c'est ça aussi arrivé, c'est pas parti quelque part. Je ne veux pas qu'on pense que oui. Voilà. Bon, j'ai dit ce que j'ai dit. Ma grande sœur, ma maman, Francine, bisous à tout le monde. Je suis parti. Tu as ménagé toi là. Je suis déjà parti. Attends. Au revoir, va te reposer. Ciao. Là, attends, les médicaments pour la calmer, là, on dirait que ça se met là, ça se fait. Elle dit, j'ai mal à la calmer. Dis, vas-y. Voilà, donc, j'étais en train de dire que quand les gens, d'abord, je vais donner mon avis sur l'autre dame qui était montée et puis rebondir un peu sur ce que Kona a dit. Quand les gens s'asseyent pour dire que Facebook n'est pas le tribunal, qu'ils arrêtent. Non, il faudrait que chacun d'entre nous, nous fermions notre page Facebook. Parce que quand l'histoire de Emma va passer, et qu'il y aura une autre béret sur une autre influenceuse, ou bien une autre personne, les mêmes personnes qui ne veulent pas qu'on parle des cas là, il dit qu'encore, d'Emmanuel, comment elle s'appelle là? Emma Loès. Voilà, qui ne veulent pas qu'on parle d'elle là. Les mêmes vont venir rire sur les bérets. Les mêmes vont venir faire des panels aussi, ils ne vont pas dormir, ils seront sur les panels en train de commenter, en train de condamner les gens, donner leur avis. C'est ce qui n'est pas bien, c'est ce que je déplore sur Facebook. Voilà. Quelqu'un va sur la base de la confiance. Ça peut arriver à tout le monde. Souvent, même quand on a les problèmes là, on dit, moi, je ne vais plus être gentil, je ne vais plus être ça. Mais quand c'est ta nature, tu n'y arrives pas, mais tu prends au moins des garde-fous. C'est une erreur parce qu'il a eu confiance à une personnalité. Pourquoi on dit dans la vie, il y a les VI? Quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tout souvent, on a tendance à dire que la personne a de l'argent. Or, il y a crédit en bas, il n'y a rien en bas. Souvent, c'est comme ça. Le monsieur, il a eu confiance à une sœur. Il s'est dit quoi? C'est une sœur que je vois sur les réseaux. Ce n'est pas une débutante. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu ses vues ou bien sa notoriété, mais qui n'est pas encore connu de tous. C'est une personne qui est connue et c'est une personne qu'on aimerait passer peut-être une journée auprès d'elle dans un restaurant ou bien prendre une photo avec elle. Le monsieur, déjà, il met le côté commercial
de côté et il met la familiarité vu que il y a Léa, la maman, la fille là, comment elle s'appelle là, Ozoa, qui est là par le biais d'Ozoa. Il donne la maison à la dame. On a tous écouté les voices. Dans les voices, il dit faut pas faire de modifications. Elle a négocié. Donc tout ce qu'elle demande, le gars lui donne. Tout ce qu'elle demande, le gars, le monsieur Touré, pourquoi il donne? Il part sur la base d'une confiance. Il se dit, je lui fais confiance. Et puis son image. Et qu'est-ce qui garantit plus monsieur Touré? Ça, c'est moi qui le pense ainsi. Il se dit, non, personne ne va vouloir travailler, arriver à cette dimension et puis vouloir tenir son image. Donc, monsieur Touré a déjà deux codes à son acte. Il se dit quoi? Si ça foire, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Il va balancer parce que la réputation d'un être humain, ça compte. Hein. Tout ce qu'on fait, la réputation compte. Donc, il se dit, ça, non seulement elle a de l'argent, je n'aurai pas de problème de loyer. Au pire des cas, si elle veut me faire à l'envers, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Elle va prendre pour moi, mais les gens sauront en réalité qui elle est. Et dans le développement, vous avez soumis quelque chose qui m'a... Où je suis partie, j'ai reçu un appel d'Atiké, je suis partie. Vous avez soumis un truc aussi qui m'a intriguée. Si M. Touré, comment dirais-je, notre sœur là, vous dites que c'est parce que peut-être il y a eu quelque chose qu'elle ne réagit pas. Non. Si notre sœur ne répond pas aussi à la convocation, elle peut se dire, tu as sali ma réputation, j'ai perdu gros, et il faut des années encore pour que ça remonte. Mais, moi aussi, mais c'est en justice qu'on règle ça. Justement, c'est à la justice qu'on règle ça. Justement, c'est pour ça qu'elle elle doit partir pour se plaindre aussi. Pour ne pas qu'elle parte aussi à la justice. Ça n'a rien à voir avec la culotte. Ça peut. Et puis, attends, excuse-moi. Il y a un qui a dit le nom des cas fait quoi? Elle n'a pas dit le nom des cas. Elle a juste, comme Emma Louis et Eka, quoi appelons ça? Elle s'est juste trompée. Elle n'a pas dit Emmanuel qui est avec Eka parce qu'on a entendu parler de Eka. Donc, voilà, ton commentaire où tu as mis, mais le nom des Eka fait quoi? C'est comme si. Toi-même, vieille série. Toi aussi, tu étais là-bas aussi. Quand c'est, ça se passait à M. Touré, c'est vice-versa. De la même manière, tu n'étais pas là-bas, je n'étais pas là-bas. Je te dis, on est en train d'analyser. Et l'analyse fait partie de l'intelligence. L'analyse fait partie de la vie. Il y a un fait, on peut te mettre un sujet, et puis tu émets des hypothèses, tu analyses pour pouvoir comprendre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, si tu ne comprends pas, ça, c'est ton problème. Voilà, donc je suis en train de dire, ce n'est pas forcément qu'il y ait des relations. Il y a des choses qui se passent sur la base de la confiance. Maintenant, elle peut te dire, tu m'as balancé. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Moi aussi, je vais te faire... On va couper et puis chacun va donner son truc parce que là... Ah, ça devient... Ça se mélange, quoi. Non, parce que... Comment ça se fait, ta? Oui, comment ça se fait, ta? Comme j'ai travaillé, je suis fatiguée. D'accord. On va avancer et puis on va essayer de conclure. Donc je vais dire ma conclusion. Avancer, mais je n'ai pas regardé les commentaires là, on va avancer, sinon on ne va pas s'en sortir. D'accord, je ne regarde pas. Donc moi, ce que je veux dire, ça arrive à tout le monde. La confiance, tu fais confiance à une personne à 100% et puis tu prends les pots cassés. Voilà, donc chaque personne exprime son mécontentement comme il le veut. Et Facebook est fait pour ça qu'on dit Facebook n'est pas le tribunal. Donc, que tout le monde ferme son Facebook. Parce que les bérets qu'on traite là, quand ça arrange, là, Facebook est chic, c'est le tribunal. Quand ça touche maintenant nos différentes personnes, on se tait, Facebook n'est pas le tribunal. Je ne vais pas aller loin, je vais prendre l'exemple de ma maman sans rentrer dans le sujet. On a vu ici la dame qui était acculée sur Facebook. Mais à chaque fois qu'il y avait un rebondissement, tout le monde parlait de Francine Ba. Qui s'est plaint? Est-ce qu'on est sorti pour dire arrêtez de parler d'elle, on défend. Donc, quand il y a un béret, même si ça touche ta personne, c'est comme si moi, demain, je suis à la tontine, que tu m'apprécies ou pas, c'est d'aller me défendre en commentaire ou bien placer ta vidéo pour me défendre. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un. Il y a un sujet, les buzz vont vite. Il y a un sujet sur ML. On dit elle a fait quelque chose, on l'a attrapé à épreuve. Les ennemis sont en train de faire où? Et puis, toi qui m'aimes, tu ne veux pas qu'ils parlent. Ils vont parler, vous répondez, vous. C'est ça Facebook. Mais quand ça touche votre personne directement qu'on veut parler, est-ce que c'est le tribunal? Mais vous-même qui écrivez, est-ce que c'est le tribunal?
vous vous oubliez quand ça concerne maintenant une personne que vous n'appréciez pas. Là, ça devient le tribunal. C'est normal. Vous clouez la personne à la croix. Ça, c'est pas juste. Et moi, je ne peux pas voir ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je gère mon blog. Il y a un buzz. Je me mets toujours du côté de la logique, du côté de si on me fait ça, est-ce que ça va me plaire? Et puis, j'essaie de trancher. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Je partage aussi la vie des personnes aussi qui défendent leurs personnes. C'est normal. Mais on ne peut pas empêcher ML. Pourquoi tu fais trop de vidéos? Pourquoi tu parles? Pourtant, c'est la même manière dont je gère mon blog. Il y a eu congélateur. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus parce que chaque fois qu'il y a rebondissement, je réchauffe, je sors. S'il n'y a pas rebondissement, je ne parle pas. Je n'en mets pas. Mais quand il y a les rebondissements, je parle. Donc, quand ça vous concerne, là, vous êtes content. Quand vous savez que vous aimez là, ah, tu es intelligente, bravo ML. Maintenant, quand ça touche votre personne, moi, ça a touché ma personne sur Facebook. Ça a touché deux de mes personnes sur Facebook. J'ai fait quoi? J'ai défendu comme je pouvais, mais je ne pouvais pas fermer la bouche de quelqu'un pour dire pourquoi tu parles de ma maman, ma mère, Francine Ba. C'est normal, c'est un buzz. Quand c'est passé là, quand la définition d'un acharnement, c'est quoi? Par exemple, la situation de M. Touré, deuxième round là, ça finit, c'est passé. Il y a un autre buzz qui est là. Ça fait un mois. Et puis moi, mais chaque jour, je reviens dessus. C'est ce qu'on appelle l'acharnement. C'est ce qu'on appelle l'acharnement. Mais quand le béret, il est frais, il n'y a pas d'acharnement, c'est normal. Actuellement, il y a la dame, là, Jessica Bamba, son béret qui est là. Je n'ai même pas encore pris ce dossier. C'est, si je veux parler, trop de dossiers à gérer. Voilà. Donc, on ne peut pas... L'acharnement, c'est quand, l'acharnement, c'est quand le sujet... Trop de dossiers. Oui. C'est quand le buzz est passé. C'est quand le buzz est passé et que tu es sur la personne. C'est ce qu'on appelle l'acharnement. Mais pendant le buzz, on ne peut pas sortir une phrase pour dire l'acharnement. Facebook n'est pas tribunal. Maintenant, vous les mêmes encore, vous prenez ça pour faire votre blog, pour décortiquer, pour faire des choses. Vous les mêmes abonnés, vous venez commenter, vous applaudissez, vous ne dormez pas quand vous n'aimez pas les personnes. Facebook a un grand apport sur tout ce que nous faisons. Exemple, je vais prendre la CAN. Au début de la CAN, quand on a perdu 4-0, et qu'on a commencé à insulter nos joueurs, et qu'on a commencé à faire des panels, exprimer nos mécontentements, faire savoir au COCAN que c'est parce qu'on n'était pas unis, il y a eu division, c'est parce qu'il y a eu frustration. On a chacun à évoquer ce qu'il devrait dire. Ça a consolidé la Côte d'Ivoire. Ça fait que chacun a mis de l'eau dans son vin, et l'équipe est revenue de plus belle. Et le COCAN aussi a compris qu'effectivement, il faudrait qu'on soit unis. On a eu les gens d'Accra, Gré. Tout ça là, il y a eu l'union. Et puis on a gagné. Oui, qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est Facebook, ou bien vous étiez amnésique, ou bien vous n'avez pas vu, ou bien ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas le même dossier. Je suis désolée, chacun défend selon son entendement. Et moi, je dis, quand tu es dans une maison d'une personne, quand tu t'en vas, que tu as dégradé, même si tu as l'argent que tu ne veux pas faire, tu règles ça à l'amiable. Vous réglez ça à l'amiable pour ne pas que ça dégénère. Si ça vient sur Facebook, c'est toujours chercher à régler à l'amiable. Ce n'est pas mauvais ce que j'ai dit. On dort dans une... Quelqu'un te fait confiance, si tu as détruit sa maison, tu arranges. Parce que moi-même, je connais la souffrance. Vous dites que M. Touré n'a qu'à arranger, il va partir. Est-ce que vous lui avez donné l'argent? Vous connaissez dans son compte s'il a de l'argent encore? Mais comment va-t-il? Donc, ça va rester comme ça? Oui, ça peut rester. Ça peut rester, il n'a pas l'argent. Mais il va faire comment s'il n'a pas l'argent? C'est une maison qui n'a pas d'argent. Il va tomber. Bon, s'il va prendre un crédit qu'on ne lui donne pas, financièrement, ça c'est des hypothèses, financièrement il n'a pas d'argent, il fait comment? Non, mais ça c'est la bêtise, ou même tout va s'écouler. C'est pour vendre qu'il peut faire, mais il va faire comment? Il arrange un peu, mais un peu à l'ouest. Je suis en train de te dire, maman, il ne faut pas faire en Europe ici, là. Souvent, il y a des gens même qui n'ont pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, puis après, là, tu n'as plus d'économie. Mais c'est que tu es en train de... Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, pour toi, la solution, c'est que les gars s'assoient pour ne pas trouver une solution pour arranger sa maison. Je n'ai pas dit n'a qu'à s'assoir. Je dis ceux qui disent il n'a qu'à laisser à faire là, il va aller arranger vite sa maison. Je dis s'il est en train d'insister, peut-être c'est parce qu'il n'a pas d'argent, qu'il est en train de tempêter pour qu'une bonne. Il y a les débuts au pays. Il y a des gens qui sont débuts, il y a des abonnés. Pourquoi il n'y a pas des abonnés qui offrent terrain, maison aux gens? Peut-être en parlant comme ça, je n'ai pas dit contre les abonnés. Peut-être en faisant comme ça un début du pays, ou bien quelqu'un de la pitié qui est en Afrique,
ou bien quelque part là-bas peut dire, ah, monsieur, voilà, moi, je vais vous aider. Je suis une maison immobilière. Je vais envoyer mes gens aller faire. Ça, c'est des hypothèses que j'émets. Je n'ai pas dit c'est ce qui est. Voilà. Donc, on ne peut pas balayer. Mais l'hypothèse que tu as en train de mettre, c'est pour ça que nous aussi, on a dit si il n'est qu'à aller bricoler, il va arranger pour mettre en loi, pour prendre l'argent. Chacun donne son idée. Bricoler où ça? Comment ça va aller bricoler où ça? Dans la maison, là. Il n'est qu'à faire l'effort d'arranger. Ça, même s'il met en location, la caution qu'il va demander, là, ils peuvent déjà commencer déjà à nettoyer le truc de coin, quoi, je veux dire. Mais où la dame est en train de se promener, on va dans l'hypothèse, elle est en train de se promener, elle a bien fabriqué un autre là-bas. Mm-hmm. Où on l'invite, elle ne va pas. Ça, là, tu as regardé aussi, je n'ai pas dit c'est ça. Si on sort pour dire qu'il a perdu, il va, c'est quoi, il va garder ça. C'est comme ça. Encore, c'est lui-même encore qui va mettre. Il va arranger, donc il vaut mieux tant qu'arranger et puis passer parce que là, le fait, attends, c'est bien beau, hein? Les réseaux voilà, sociaux sont faits pour venir juger. C'est bien beau. Mais la personne même, elle peut dire aussi, le fait aussi que tu envoies l'histoire sur les réseaux sociaux, ça salit mon image aussi. Elle peut se mettre en victime aussi dans la loi. Vous êtes au courant de ça? Mais ils vont regretter. Chacun va dédommager son ami, mais toujours est-il qu'elle règle sa part, c'est tout. Mais il peut perdre dans ça aussi, hein. S'il perd, c'est pas grave. Humainement, on a vu. Il n'y a pas à arranger, là. Ah non, non. S'il perd, c'est pas grave. La justice va faire. S'il perd, c'est pas grave. Il fait un jugement. Non, attends. Comment tu dis ça? S'il perd, c'est pas grave, là. Il fait quoi après? Donc, s'il perd, c'est pas grave. Il fait quoi? Il laisse. C'est pas grave. S'il n'a pas l'argent, il va laisser sa maison en ruine. On va voir. Si maintenant, il perd qu'il a les moyens. Parce que peut-être qu'il voulait avoir gain de cause avant de mettre sa main, avant d'aller faire les travaux. Puisqu'on dit qu'il y a expertise qui doit aller vraiment expertiser pour donner un fonds. Il ne peut pas se lever comme ça, la faire en justice pour aller commencer à faire les travaux. La faire en justice, il y a fait quoi sur Facebook. Mais c'est ce que j'ai expliqué dans le développement. Alors, la faire en justice, tu viens faire quoi sur Facebook. Il ne peut pas attendre, ça va finir parce que moi, il se rend compte qu'il y a eu deux rendez-vous et elle n'est pas partie. Il faut qu'ils soient patients. La justice, faut être patient. Non, il utilise aussi, j'ai déjà développé quand on commençait l'émission, il utilise aussi Facebook pour se faire entendre, pour dire que mon histoire encore là, ça n'a pas encore été réglé. C'est logique. C'est logique. En tout cas, bon courage à lui. Voilà, bon, on lui dit bon courage. Moi, ce que je vais lui dire, Monsieur Touré, tu étais sur le live, je ne sais pas si tu es encore sur le live. Il est parti, parce qu'on a commencé à l'attacher un peu pour dire voilà. Ce n'est pas grave, tu as déjà ce dossier, on sait que ça existe, ça n'a pas encore été réglé. Allez-y au tribunal, le dernier round, là, allez-y faire, quel que soit l'issue, quel que soit ce qui va se passer, laisse tout entre les mains de Dieu. Et puis, si tu as l'argent, tu fais ton truc. Si tu n'as pas l'argent, tu vends. Si tu n'as pas eu acheteur, laisse en ruine. Ça aussi, là, c'est malédiction aussi qui est là. Tu laisses pour toi, c'est pas grave. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ça aussi, c'est mon bien. Tu peux négocier avec moi, dire, voici 5 millions. Il faut faire. Et puis chaque mois, je vais te donner au moins 200 000 pour compenser ce que tu as fait. Mais s'il n'y a pas de négociation et qu'il y a une histoire d'image qui est mieux que l'argent que la personne a mis aussi dans son bien, chacun défend comme lui n'est pas star, donc lui, pour lui, n'est pas logique. Et celle qui est star a plus le privilège d'être défendue. Ok, c'est pas grave, il laisse, ça va dépendre de sa poche. S'il peut refaire, il refait, c'est pas grave. Dans la vie, là, si tu n'es pas mort et que tu respires, l'argent, là, c'est l'homme qui cherche. Dieu va lui donner autre bien encore. C'est tout ce que j'ai à dire. Amen. Vas-y. Bon, moi j'ai fini. Hein. Moi, c'est ce que j'avais que j'ai dit tout à l'heure. Là. J'ai dit que s'il a les moyens, même s'il peut penser avec ses amis, tout, il n'a qu'à retaper la maison, on va mettre en location. Il n'a qu'à passer à autre chose. Après tout, si c'est gâté, c'est gâté. C'est lui encore qui va arranger. Donc, il n'a qu'à gagner un temps. On va avancer. Ce n'est pas grave. C'est un commerce, c'est dans temps de faire. Amen à Béni, à Bagamansa. Donc, il n'a qu'à laisser. Mais dormir, je suis fatiguée, maman. Un peu. En tout cas, nous avons bouclé ce débat-là. Maintenant, tu t'as dormi, tu vois ton visage. Maman, pardon, avant de conclure, là, ils ont parlé d'Hervé.
On dit, il dit qu'il a, il, hein? il allait laisser tomber l'histoire. Quand quelqu'un est fâché et que une personne que vous connaissez, tu connais, vient te demander pardon, tu acceptes. Il y a des délais, on ne sait pas ce qui s'est dit en privé avec EV. Mais la vidéo, c'était pour ne pas qu'il ressorte, il a laissé tomber. Maintenant, s'il est ressorti, c'est peut-être que l'engagement n'a pas été respecté. Voilà pourquoi il est sorti. Bon, c'était ce que j'avais voulu ajouter sur l'histoire d'EV. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit donc qu'il ne sortait plus faire de vidéos. Il ne sortait plus faire de vidéos. Qu'il a vu avec Hervé, c'est bon, il va laisser pour lui à Dieu, il ne sort plus. Ça dépend de comment Hervé l'a consolé, Hervé l'a rassuré là-bas, on ne sait pas ce que Hervé lui a dit. Non, je vais te dire pourquoi il est sorti. Voilà. Moi, il est sorti parce que la dame a fait un autre pas à côté. Tu vois ce que je veux dire? Lui-même, il a dit dans la vidéo que tu as publié sur ta page, en disant que elle n'a même pas pu régler pour moi, mais elle allait faire pour elle à côté. Tu vois, c'est comme si tu as ta maison, la personne a gâté, et puis il n'arrange pas, mais il arrive à refaire une note encore plus d'aérée, et puis il te doit. Donc, il a trouvé ça en foutaise. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Mais c'est pour dire que, en fait, cette histoire-là, comme je suis en train de dire que je reste sur ma conviction, qu'il y a un Guy sous roche, il y a des choses qui sont inexpliquées, et puis la fille, la dame, elle sait sur quoi elle est assise. Parce que pour pouvoir trouver une personne que tu as pris sa maison, d'après les faits, tu as gâté ça, et puis toi-même, tu laisses ça, puis tu t'en fais l'autre encore. Ça, c'est quelle énergie on est en train de dépenser dans cette histoire. C'est pour ça que je dis, je ne me prononce pas forcément, ni prendre parti de Pierre, ni prendre parti de Paul, parce que pour moi, c'est comme si on est en train de crier dans le vide, en fait. Voilà. Parce qu'ils savent le contrat qu'ils ont établi, ils savent très bien, puisque même quand tu veux pousser un peu, le prix que la dame payait, ce n'est pas ça qui était écrit sur son contrat. Il y a trop de marmaille. On dit le marmailleur marmaillé. Ils ont voulu, je ne sais pas, mais bon, bref, c'est qu'elle suit bon courage à M. Touré. Il faut qu'il prenne sa santé en main parce que les biens que nous construisons sur cette terre, la santé est plus mieux que les biens. Parce que si tu ne fais pas attention pour te maintenir, tu peux même laisser ta peau dans cette histoire-là. Les biens, c'est l'homme qui cherche. C'est l'homme qui cherche. L'histoire est au tribunal. Les décisions vont sortir. Et puis chacun va vivre. Parce que franchement, c'est honteux. Hein? C'est honteux. Et puis, il n'y a ni queue ni tête. Il n'y a ni queue ni tête. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, on va rajouter pour dire courage à tout le monde. Et puis voilà. Et voilà, basta. Quoi. Voilà, bon. Tu as déjà conclu ce qu'on va dire. Merci à tous ceux qui étaient sur ce live-là. Daziel ou Christelle, bisous à toi. Conan, Patricia, Carole, bisous. MR Révélation, bisous. Lolo, qui était une chose qu'on appelle Arita aussi, bisous. Donc, bonne soirée à vous tous. C'était la Madre Francine avec ses sœurs. Oui, les mamans du béret de Facebook. On était là pour vous entretenir un peu. Voilà, pour donner notre point de vue sur cette histoire sur la toile avec Emma Louest et M. Touré. En tout cas, trouvez une solution. Vous êtes tous des frères. Vous savez comment vous avez fait pour que vous puissiez avoir votre contrat ensemble. Mettez de l'eau dans votre vin et puis réglez votre problème. Mes Amazones et mes guerriers, merci à vous tous. Je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. J'ai vu dans les commentaires. Allez-y sur TikTok, ça va être intéressant. Allez-y sur TikTok, ça va être intéressant. TikTok, je ne maîtrise pas. TikTok, franchement, je suis perdue. Je préfère mettre mes vidéos de danse et puis tout le monde est quitte, quoi. Nous, on est là, on est quatre dames, on peut faire nos thématiques et puis on avance. Bisous, bonne soirée. Amen. On se dit bisous à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, maman. Ciao, bisous. Ciao. Merci. Ciao, bisous, les Amazones derrière. Bisous à vous. De temps en temps, c'est comme ça, on va bérétiser.
avec les mamans du Next. Bisous, ciao. Merci.